J'ai pas d'effet vocal, non c'est bon. Bonjour tout le monde. OMG en fait. Vous m'avez manqué depuis hier, j'ai un peu mal à la gorge. Je pense qu'on se demandera pas pourquoi. Je pense qu'on se peut... Non. On n'a pas eu de faire un karaoké où j'ai hurlé pas du tout. Genre vraiment pas. Bonjour tout le monde, j'espère que... Attendez, je coupe tout là. J'espère que tout le monde va bien. J'ai coupé tout avec mes petits doigts sans faire exprès. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes ready pour le jour 2. Aujourd'hui, on commence. On papote un petit peu et après, on file sur Animal Crossing GameCube. Ensuite, non, on va... Vous savez ce qu'on va faire avant tout là? Non, je pense qu'on va pouvoir commencer par Tomodachi. 1050 euros, on a récupéré dans la cagnotte hier. Aujourd'hui est un nouveau jour. Est-ce que vous allez battre votre record du jour? Ce serait fou. Ce serait fou. Ouais, la cagnotte est folle, hein. 1050 euros, on a arrêté, il était genre minuit 30, un truc comme ça. On n'a pas été trop loin hier soir, parce que je voulais être en forme pour ce matin. Je le suis. Vous avez une nouvelle commande qui est, point d'exclamation, ouais, genre UE, UE. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est une très belle commande, je l'apprécie à sa juste valeur. Salut Lilou. On a besoin de la dose de Tomodachi, bien sûr que oui, en fait. Bah, le lot, non, on a pas d'infos, là, sur ce point-là. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On verra, mais voilà. Il y a des amitiés qui veulent se faire sur Tomodachi, là. Ça va être superbe. Ça va être superbe. Ah, il y a déjà le son du jeu. Bon, c'est pas grave, vous aurez une petite vague en fond. Bonjour à tous, en tout cas, évidemment. N'oubliez pas, vous pouvez très bien faire un don. Qui veut être le premier don de la journée? Regardez ce beau... Que dis-je? Que dis-je ce beau? Ce magnifique tableau des dons que nous avons eu. Et que nous avons récolté hier. Attendez, je vais vous le montrer de plus près parce qu'il mérite quand même sa place. Regardez ce beau tableau des dons et regardez l'épaisseur. Pitié, regardez l'épaisseur des dons du débat popcorn sucré, popcorn salé. Et Kali, évidemment, qui a clôturé le débat avec 100 balles. Bon, le débat a été compliqué pendant un moment, mais voilà. Le beau tableau des dons. Je sais pas si vous verrez. Peut-être que vous êtes caché par les autres. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas, c'est un très beau tableau des dons, franchement. Bravo à vous, 1050 euros est sur ce tableau, et ça c'est beau. Ça c'est beau. J'ai pas vu le tableau, bah quand même, il est voyant. Enfin, il est très coloré, disons. Même Marie, elle l'a vu le tableau. Putain, Marie, sa tête. Elle est belle en vrai. Elle est pas si moche que ça, hein. Ma petite Marie. Ça va, j'ai pris la plus belle du paquet, il y en avait plein, elles étaient un peu bon. Je me suis dit, elle est la vraie, l'official. Ma petite Marie, elle est trop mignonne, je l'adore. Je la mets où, Marie? Non, j'allais la mettre quelque part là-haut, mais ça va pas passer. Elle est pas aussi colorée, la petite bichette. De quoi? L'épaisseur? Ah, mais l'épaisseur, hein, Kali. Putain, mais j'ai même pas tout pris, quoi. J'ai dû carrément faire plusieurs trucs d'épaisseur, parce que sinon, ça allait tomber. Tellement il y avait de scotch. Le paquet, carrément, regardez, il est en relief, quoi. Le truc, il remonte comme ça, Bonjour à tous en tout cas, j'espère que vous allez bien. Numap, si jamais, n'hésite pas à faire un don pour relancer le débat, team salé sucré du jour. La team sucré salé en fait. Voilà. Qui sera la première personne à faire un don aujourd'hui? J'ai ma petite boîte, vous avez bien vidé la boîte. Hein. Ma petite boîte de papier de couleur. C'est un peu épileptique là comme ça. J'ai plein de papier de couleur. Et j'ai cette boîte depuis déjà 3 events. Enfin 2. C'est le troisième. Donc bon. Bonjour à tous en tout cas. Oui oui, il y a un code onirique, Lilou, c'est dans la... Bah voilà, merci Jicanari qui t'a remis les codes. C'est Perle, c'est la toute dernière île. C'est toi la star, c'est grave vous les stars, mais bon. Vous êtes trop des stars. Vous êtes trop des stars. C'est pour faire quoi la canette? Bah, c'est pour l'event est à cause, en faveur de en avant toute. Vous avez toutes les commandes qui vont être remises dans le chat. De toute façon, tout au long du live, il y a tout qui est écrit. Je vais vous mettre pour l'assaut en avant toute, si jamais vous ne savez pas. L'association En avant toute, elle a été fondée en 2013 pour lutter pour l'égalité des genres et contre les violences faites aux femmes, aux jeunes et aux personnes LGBTQIA+. C'est une asso qui va rediriger les victimes de tout ce genre de violences sur un chat en ligne anonyme et bienveillant, évidemment, pour pouvoir permettre à ces femmes de sortir de l'horreur, finalement, mais pas que les femmes, évidemment, toutes les personnes concernées. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, j'ai pas de planning. En fait, j'ai pas de planning, moi ici je fais au feeling. Là ce matin on fait Tomodachi vite fait. On reviendra dessus dans la journée parce qu'on a atteint le goal. Actuellement les donation goals, je peux vous les remontrer. Là, merde, alors là je bouge la cam, c'est pas ce que je veux bouger.
Là, actuellement, on a fait tout ça et on en est à celui de 1500 pour le bingo à CNH. Si vous nous le faites dans la journée, genre là, si vous me faites 500, enfin 450 euros dans la matinée, là, cet après-midi avec Arvandor, on fait les bingos. On en a pour au moins 4 heures. Ouais, faites des dons. Ouais, Kali. Bon, je fais le premier don car j'étais pas sur un chiffre rond dans mes dons. Oh là ça me stressait PTDRRR. T'as raison, Kali. Moi, j'apprécie. Hein. Par contre, mon feutre, la mine, elle est censée être pointue. Elle est vachement arrondie, là. Ouais, Kali qui commence la journée. Ça, c'est beau. C'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut. C'est même pas des post-it, c'est juste des petites feuilles. Et elles sont pas collantes. Enfin, si, en soi, c'est un post-it, mais... Enfin, post-it, pour moi, c'est un truc qui colle. Là, je suis obligée de mettre du scotch, sinon ça colle pas. Allez, Kali, je vais te mettre sur quoi? Je te mets sur Jicanari. Désolé, Jicanari, tu perds ta place sur le tableau. La musique La couche de trucs, non mais vraiment. On commence en beauté, allez. Le prochain, c'est un post-it rose, si jamais ça vous intéresse. Bon allez, je vous propose de vous emmener direct sur Tomodachi, et après on passe sur Animal Crossing, j'ai sorti la manette et tout. Et normalement, faut que je coupe la petite musica. Est-ce que le son est assez fort pour vous? Je pense que ouais. Ouais. Merci Sonia. Contre la violence. Bien dit, bien dit. Merci beaucoup. Bichouette. Oh là là, vous régalez, ça y est, c'est un parti. Un peu de chance peut toujours aider. Ben bien sûr, Bichouette. Bichouette, Bichouette, ton nom, il est long, il passe à peine sur le post-it, mais on fait avec, ok? Je t'appelais Bi après. Abeille. Abeille chouette. Allez. Let's go, merci pour vos dons les petits loulous. Qui nous arrondit là? En plus, vous allez slayer et avoir votre post-it sur le tableau. C'est vrai, tu dis les termes, hein. Tu dis grave les termes. Bon, on va passer parce que là, c'est... Oh, okay. Vraiment, les personnages sont ignobles, hein. Ils sont horribles. Oh putain, il y avait une map qui arrivait. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais... N'hésitez pas à arrondir, il nous manque 2 euros pour les 60, évidemment. Évidemment, évidemment. Attendez, faut que j'ai la main sur le truc. Marché du matin, qu'est-ce qu'on a au marché du matin? C'est qui ça? C'est Kali, je crois, non? Oh, il y a Claire et Lux. Petit fish and chips à 2 euros, là. On fait carrément le stock, en fait. Faites des dons, évidemment, faites des dons. Merci, Voli. Tellement il est ignoble, ton père. Ah, mais bref. Après, vous savez, il y en a, ils sont pires. Il hein. Y en a qui ont vraiment eu pas eu de chance par rapport à ce qu'on a, nous. Hein. Une petite pomme, on prend des pommes, ça coupe la faim, la pomme. À bientôt. Non, c'est pas moi. Bah, c'est qui alors? Je me rappelle pas de qui c'est. On a un loup. Ça change ou pas? Ouais. On a ça. J'achète un loup. J'achète ça. On l'a en blanc. Allez, soyons fous. Un serre-tête nœud. Oh non, mignon ça. Ouais, Kaouche. Merci pour les 5 euros. 5 euros maintenant, il faut réarrondir à 65. Il manque 2 euros. Merci beaucoup, Kaouche. J'espère que tu vas bien. Mon S, il ressemble plus à un C à l'envers, mais faites genre, ok? Allez, sur le tableau, merci pour les 5 balles. La journée commence bien. Ça, c'est Mimi, quand même. J'aime bien ce truc. Ouais, évidemment. N'oubliez pas les émotes, elles sont superbes. Bon alors, en intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bonjour à tous, en fait. J'espère que vous allez bien. Bon, on a ça, parce qu'on est en octobre, je pense. Ouais, j'ai une nouille, les 5 euros. Oh là là, vous régalez, en fait. Vous régalez, en fait. Point d'exclamation don dans le chat, si jamais, pour faire un don, les petits loulous. Je rappelle que c'est défiscalisé à 66%. À un certain plafond, évidemment. Ah ouais, c'est vrai, le mot, son nom est bloqué? C'est une insulte, ton pseudo, en anglais ou dans une autre langue? Quel enfer? On peut pas l'écrire? Ah ouais? Bah alors? Oui, c'est bloqué. Bah mettez un 4. Non, mais même pas. Pourquoi on aurait bloqué Kaouche? Bah alors? Moi je pense qu'il y a volonté de nuire, hein, Twitch, hein, si je peux me permettre. Bon, Voli, ça va ta journée de travail? Elle se passe lentement mais sûrement? Je vais être un petit peu en mode Jésus aujourd'hui. Il y a un très beau soleil ce matin. Mais ma caméra n'est pas réglée pour. Donc c'est un peu chiant. MG Tomodachi, oui Shashuka. Venez, on achète un de chaque. Chemise de bûcheron. Ça c'est beau aussi, hein. J'aime bien l'idée.
Ça va être Mimi, ça. Il y a des belles tenues quand même, mine de rien. Salut Lucie, comment ça va? J'ai fait mon devis, je me suis occupée d'une résiliation de contrat. Et puis t'attends, c'est ça? Bon courage, Voli. J'ai roté. Spectacle de magie. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. C'est qui ça déjà? Je suis dans le long. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est Arvandor qui est dans la boîte. Ah mais je peux pas faire ça. Bah ça marche pas là, je peux pas le faire. Placez vos mains au-dessus de l'écran 3D pour envoyer vos ondes magiques. Moi j'ai pas d'ondes magiques en fait. Je suis pas magicienne en fait. Par contre je savais pas ça. Placez vos mains au-dessus. Bah écoutez, on va regarder les infos. C'est Arvandor. Non, c'est Arvandor. Rock, il a un masque, je crois. C'est qui ça? Ah, c'est Zinzol. Mais elle est enfant. Putain, Kali, c'est vrai que c'est toi, ça. Qu'est-ce que tu fais, Kali, putain? Ça va pas ou quoi? Il a repris confiance en lui, a déclaré ensuite. Maintenant, je peux étirer n'importe quoi. Écoutons les commentaires de façon. Salut, Adrien! Pas comme ça, je vais hurler de rire. Merci Zinzol. Merci la team. Donnez maintenant. Bon allez, on a des amitiés à créer là. On va faire un petit tour, après on sauvegardera, on ira sur Animal Crossing. Ah vas-y. Bah voilà, Lulu qui s'embrouille avec Voli là, c'est une vanne ou quoi? Il était tellement extensible, m'en parle pas, Tomodachi, c'est tout des trucs comme ça. Moi aussi, je peux m'énerver, hein. Ça vous surprend tant que ça. Bah ouais, un peu. Tiens, mange du couscous, Luna. Lulu et Voli qui s'embrouillent vraiment fou rire. Putain, c'est vrai que c'est un garçon. Je vais essayer d'aller me réconcilier avec lui. Ok. Vous avez... Le son est assez fort pour vous de votre côté? Je pense que oui, en vrai. Mais je peux le monter si jamais vous avez envie. Oui? Ok. Offre spéciale, un don. Un don égale un merci de la part de Voli dans le chat, c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est moi qui suis désolé. Ah, vous vous excusez. Oh là là, oh là, là. Mais quel exemple. Merci pour les 22 euros, Charline, qui a rendu. Il manque 10 euros, les gars. 10 euros pour qu'on lance un nouveau loto gratuit. Je dis ça comme ça. Merci beaucoup, Charline. C'est quoi, c'est 123? Merde, j'ai écrit 103, 100, bref, j'ai oublié le 2. J'ai écrit 13. Je peux monter un peu si vous voulez, hein, le son. C'est mieux comme ça un peu déjà? Oh putain, j'ai vraiment ruiné ton pseudo, je suis désolée. Merci pour les 22 balles, il manque 10 euros la team. Il manque 10 euros la team. On veut un loto gratuit bien sûr. C'est tellement généreux. Qu'est-ce qu'elle a, Charline? Elle s'est embrouillée avec qui? Avec qui s'est-elle disputée en fait? Elle est amoureuse de Béranger et meilleure amie de Shayma, il y a un problème. Mais elle a pas... Ses amis, c'est entendre impossible. Meilleure amie Shayma. Bah elle est même pas dans sa liste de relations amicales. Ah mais si, je suis con. Ah voilà, elle a tellement d'amis en fait, c'est pour ça. Elle a trop d'amis en fait. Elle a trop d'amis. Béranger, grand amour, Shayma, très fiable. Putain, elle est pote avec tout le monde, j'ai rien en fait. Je me suis disputée avec Arvandor. Oh, elle s'est disputée avec Arvandor. Mais non. Bah t'excuser en fait, t'attends quoi? Mais aidez-moi d'abord à me calmer un peu. Bah calme-toi en fait. Tu veux qu'on te tape pour te calmer ou quoi? Tiens, prends cette tenue superbe. Hashtag drama. Criez s'il y a un loto. Vas-y, Jicanari, ça marche. Merci beaucoup, Charline. Bah allez là, va te réconcilier. Ça l'a pas aidé. Putain, faut que je lui donne à manger. Elle adore le caviar. Ouais ouais ouais, faites des dons. Ouais ouais ouais, Chachouka, merci pour le don. Un don pour avoir mon perso dans Tomodachi. J'avoue, Chachouka, tu mérites en rien. Tu es une foreuse mais coquette et homme. Je suis quoi? Une foreuse. Tu es une foreuse mais coquette. Merde, j'oublie le cas de Chachouka. J'écris Chachou. Merci Chachouka pour les 5 euros. J'avoue Chachouka, tu mérites large d'être dans la partie Tomodachi. Sachez que c'est une partie Tomodachi qu'on a depuis un bail. On a hier soir à minuit quelque chose, on a refait
On a refait, on a changé quelques personnes qui n'étaient plus du tout là sur les lives, on les a modifiées, mais si tu caches, j'avoue, je peux te faire, évidemment. Évidemment. Après, on peut faire un don et je vous mets dans Tomodachi quand on est sur Tomodachi. C'est vrai, c'est vrai. Bah ça y est, là, au bout d'un moment, putain, elle casse les couilles, elle. Tiens, j'arrive pas à la calmer. D'habitude, tu lui donnes un truc, elle se calme, là. Je vais écouter. C'était en janvier, ouais, un truc comme ça, hein. Allez, c'est bon, là. Plus que 5 euros, les gars, pour les 1100. Ce serait fou, hein. Ce serait un bon début de journée, franchement. Ok, bah va t'excuser maintenant. Dépêche-toi, en fait. On n'a pas ton temps, en fait. On n'a pas ton temps, en fait. Je sais pas, dépêche-toi, en fait. Il est en colère, hein. Imaginez, il lui dit non. Non. Colère. Désolé pour l'autre. C'est dramatique. Non, c'est moi qui suis désolé. Ok, bon bah il s'excuse. Voilà. Oh non, j'utilise plus là, Emma. En fait, ça, pour vous, c'était beaucoup trop peu agréable et l'écran du bas était vraiment buggé de fou. Voli, t'as remercié pour les 5 euros de Chachouka? Parce que c'était un merci de ta part, hein. Nouvelle offre à 1100 euros, je me fais un café. Comment ne pas donner cette, pour cette offre de fou? C'est vrai. C'est vrai, Voli. J'en prendrai bien soin. Merci de prendre soin de mon intérieur. Tenez, pour vous remercier. Je le fais, t'inquiète, ah, super. Salut Simba, bonjour à toutes les personnes qui débarquent, j'espère que vous allez bien. Bon, on gère que les trucs amicales. On va aller créer Chachouka parce qu'elle mérite quand même un peu. Bon, Chachouka, tu vas ressembler à rien, je te le dis direct. Mais c'est pas contre toi. Elle en a fait plein de mecs hier. Chachouka. Oh, je suis désolée pour toi. Trop classique. On l'a déjà, ce sera ça. T'as une très belle coupe de cheveux. Et la couleur? Ok, vert caca. Ah, waouh. T'es so sexy comme ça. Chachouka, pourquoi t'es en colère? Oh non. Oh, t'es un peu mimi, Chachouka. Ce nez, on l'a pas mis encore. T'es un peu mignonne. Un peu mimi. T'es un peu mignonne. Je te mets petite. T'es un peu mignonne. Chachouka. Nom de famille coquette. Ah, bah écoutez, j'ai mal écrit, ce sera coquette. Chachouka. Ils sont tous nés la même année. Je m'appelle Chachouka Coquette. Coquette. Ok. Moi ça me va. Très belle Chachouka, franchement, une très belle création de notre part. Tout le monde est né le même jour sur cette île. Ah, flash info, flash info. Qu'est-ce que c'est? Flash spécial. C'est Rock. Il est horrible. La population de l'île Drama a maintenant atteint 50 personnes. Bravo. Pour célébrer cette occasion, une... Là, comme ça, le mien, on dirait un peu NS. Vite fait. Un habitant, Dan, a dit avec fierté que l'île... Mais Dan, il est ignoble, regardez-le, pitié. Merci de nous avoir suivis. Il est horrible. MJ, il y a moi, t'es tellement sexy, Voli. Ouais, 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 faites des dons. Ouais, 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 light. Je veux être dans Tamagotchi ENFT. Tamagotchi, t'as écrit, t'as mal écrit, mais... Allez, vas-y, je te fais. Allez, un don, je vous fais, là. Un don, je vous fais. On peut être jusqu'à 100. Je vais te faire aussi. Faut que je regarde avant toute chose, il y a combien de garçons et de filles. Je veux faire quelque chose de très, très équitable. Enfin, de très 50-50. Parfait, on est à 25-25, bon ça va être du coup. Tu peux être la girl, ce que tu veux être. J'ai tout donné, normal. Mais t'as archi raison. Allez, manuellement, on va créer Light. Allez, tu seras rose. Bah peut-être pas avec une beubare quand même. Oh putain, ça fait un giga double menton.
Starlight et ses cafards. Tellement... On va mettre ses sourcils, ils sont superbes. Je les mettais comme des antennes, ça, à l'époque. Mais venez, on fait des antennes. C'est les antennes des cafards. T'es trop des antennes de cafards, toi, je reconnais. T'es tellement un petit cafard. Ça, ça fait grave cafard, non? Ça fait trop cafard. Jafar! T'es sublime. Bah non, pas de moustache, en fait. Ça va pas ou quoi? Très grande. Très fine, ça fait très cafard. Ça fait grave le cafard, ça. Ressembler à mes cafards. Les gens veulent... J'adore. Light. Elsa Cafard. Cafard. Cafard, c'est un T ou un D? C'est un D, hein. Elsa Cafard. Elsa Cafard. Je vais t'appeler Light Cafard. Ah, je peux pas mettre le D. Bah, ce sera Light Cafard comme ça. Light Cafard. C'est très bien. C'est très bien, c'est parfait, vraiment. Jaune Cafard. Je m'appelle Light Elsa Cafard. Je m'appelle Light Elsa Cafard. Je m'appelle Light Elsa. Je m'appelle Light. Je m'appelle Light Elsa Cafard. Ça te va bien, hein? Light Elsa Cafard. La bouche et cette émote, oui, vraiment. Mais elle est drôle. Allez, un don et je vous fais dans la partie. Évidemment. Light Elsa Cafard. C'est l'anniversaire de toute l'île. Ouais, 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 faites des dons. Genouille. Genouille qui a rendu et c'est le loto. J.K. Marie, reviens. Le loto. Allez, Genouille, je te mets aussi. Évidemment, en fait. Évidemment que oui, en fait. Oh là là, ça c'est beau. C'est sur du rose en plus, ça c'est magnifique. Le loto est lancé, n'hésitez pas à voter, vous avez 5 minutes pour choisir un chiffre, il est gratuit. Enfin, il est gratuit, il est fourni par les 100, enfin, par les personnes qui ont fait des dons jusqu'au 100. Merci pour le don, merci Voli de ce remerciement, hein. Évidemment. Alors Genouille, tu vas ressembler à quoi? Allez, moi j'aime bien. Petit blush. Petit maquillage. Petit maquillage. Ça me paraît pas mal. Allez. Petit sourcil. On a dit petit. Très petit sourcil. Ouais, 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 faites des dons. Ouais, 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 je veux être dans Tomodachi. En je fait, veux être dans Tomodachi UNFT. C'est qui en fait? C'est qui? T'as mis le message dans le pseudo. C'est qui que je dois mettre? Qui a fait le don? Moi je veux bien, mais c'est qui? C'est moi, c'est Alicia. Merci Alicia. J'ai pépé. Allez, ça va. Pardon, c'est pas grave. Je te fais tout de suite après. Par contre, tu seras un boys. Parce qu'il faut rééquilibrer après. Allez, les oeils. Sexy, raffiné. Ah bah là. Tu es assassiné. Oh putain. Tu es superbe. Tu vas en dire un peu un visage genre d'ours. C'était qui? C'était Genouille. Bah je suis désolée Genouille, voilà à quoi tu ressembles. Genouille. C'est superbe. Moi j'apprécie, hein. J'apprécie. Je m'appelle Genouille. Mon surnom est Genouille. Mon anniversaire est le premier. Mais elle arrive pas à dire son nom. Elle parle comme ça. Le make-up, franchement, là, le make-up, il fait tout, hein. Quelle beauté. Allez, on fait Alicia. Alicia, tu seras un boys. Tu seras Alicio. Tu seras Alicio. Après, évidemment, on en a déjà fait plein. Oh. Allez.
tellement charismatique. Allez, on a très peu de coupe. On a très peu de cheveux noirs aussi. T'as des barres à la place des sourcils. Oh non! Ça fait peur. T'es sexy! J'apprécie. J'apprécie. Le nez, on n'a pas mis celui-ci. Oh, désolée. Je suis navrée de ce qui se passe. Je suis vraiment désolée. Et la bouche? Ça fait peur. Pour rappel, on met tout en aléatoire, hein. J'ai mis un A trop. Oui. Oui. Alicia. T'es superbe, Alicia, franchement. Moi, franchement, on peut le dire, hein. Là, il y a du style. Oh, la taille du nez. C'est vrai qu'il est assez immense, hein. Salut, Patin, bonjour à tous, en fait. Je m'appelle Alicia. Parfait. C'est ce qu'il nous fallait, hein. C'est ce qu'il nous fallait. C'est une rom que j'ai... Alors, j'ai dû modifier ma rom, Astim. Parce qu'elle était... Bah, j'avais pas les visages non plus. J'ai dû galérer sur Internet à trouver. J'avais cherché les bugs d'erreur et tout. Regarde, normalement, faut que tu télécharges un autre truc pour le joindre à ton fichier. C'est tout un bordel. Je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais eu un problème aussi. Et Lolo qui partage les 330 lives, évidemment. Marché du matin, le pestacle de magie. On n'a pas quelqu'un là qui veut... Je sais pas, un truc. Plus personne veut être dans la partie. Choisis un nombre entre 1 et 9. La réponse est 2. Bravo, la réponse est 2. Plus personne ne veut être dans la partie. On sauvegarde. On va sur Animal Crossing. L'officiel de l'officiel. Ok, allez, on sauvegarde. C'est Néfès qui court. Allez, non, ne nous continuons pas la partie. Bonne coiffeuse, Lulu. Sauvegardons. Et relançons Dolphine. Et lançons le banger que c'est. Nintendo. J'ai fait une scène vite fait là avant. Allons voir Neneu. Mais je sais pas si... Non, je crois qu'ils aient plus la même partie. Ça marche la manette? Ok, ça fonctionne. Je prends des lunettes de soleil. Oui, oui, baguette, mais normal. Achille, t'as pas vu mon taffé sur Tomodachi? Faudrait que tu regardes. Mon île s'appelle Crouton. Pourquoi il est minuit 56? C'est pas du tout l'heure. Il est 11h. Oui, je commence. T'inquiète, Achille. Pas besoin que tu nous fasses un face reveal, on t'a créé. Ouais, c'est GameCube. Par contre, du coup, alors, on a Cornio. Je ne sais plus du tout, mais je crois qu'on n'a pas la partie avec Neneu, là. Je pense que ce n'est pas cette partie. Je prépare Crouton. Je ne connais pas cette partie. Le son est trop fort, il est bien, il est assez fort pour vous. J'ai gagné, c'est vrai? Putain, la chance. Trop bien. Ah, faut que je clique là, merde. J'espère que tu t'amuseras bien à Crouton. C'est trop fort. Non, c'est nickel. Il est trop fort ou c'est nickel?
Est-ce que je peux le baisser un peu? Et je mets le jeu en x1, enfin 110 parce que c'est un peu long. Pas assez fort? Baisse un peu. Bah. Pitié. Bon allez, je vous mets comme ça, c'est bien là. Bon. Qui on a? Ah bah non, je suis con, j'allais à la souris. On a Gogo, Mirza, Scooter, Marine, Cornio, Béa, Olivia et Caro. Bah ça va franchement. On va aller les voir. Bon, sur ce jeu, ça se joue comme un avec des acres et tout. Les acres, c'est des parcelles. Vous allez voir, dans tous les cas, quand je vais me déplacer, ça va se faire... les mauvaises herbes. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Cette île est en bordel. On n'a jamais vu ça. On a Cornio. Et bonjour, je pense... Je ne pense pas t'avoir beaucoup vu ces derniers temps. Ça m'a un peu surprise. Je dois t'avouer. Pardon ? Ça m'a un peu surprise. C'est une fille, Cornio ? C'était une fille sur GameCube ? Tu as été trop occupée pour passer ? Écoute, si tu es si speed, tu devrais te calmer un peu. Ça peut que te faire du bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parlons un peu. Oui, c'est sur émulateur, ouais. Regarde-moi ce superbe meuble. Ouais, Marine et moi, on a fait quelques affaires. En le regardant mieux, je me suis aperçue que ce n'était pas ce que je voulais. J'étais un peu vert. Ah, j'étais un peu vert. Bah vas-y, je me douille là, il prend tous mes sous. Ça va pas assez vite pour moi encore. Ne te prends pas la tête sur ce que j'ai dit, comme quoi ce truc ne m'allait pas, hein, ça n'a rien à voir. Si on te donnait à choisir entre une pomme et une pêche, tu choisirais le fruit que tu préfères, non? Ok, bah ça veut peut-être rien dire, mais je crois que la situation est la même. Je mets en accéléré un peu parce que sinon c'est un peu long. Attendez, je vais aller poser ce meuble dans ma maison. Je sais pas ce qu'il m'a donné. C'est elle ma maison? Ouais, je crois. Non, c'est celle du dessus. Pourquoi je suis allée là? C'est un peu dégueu là, le jeu il fait des... Ça me donne un peu le tournis là. Attendez, je vais regarder dans les paramètres, ça me dégoûte un peu. Le truc dégueu. N'oublie pas de faire un don, évidemment. Vous voyez le truc que ça fait, là? Ah non, vous le voyez pas, vous. Il y a que moi qui ai ça. Ah bah non, vous êtes bien, vous. Bah écoutez, alors. Merde. Je vais faire avec moi de mon côté. Vous, vous, c'est bon. Ok, bon bah. Ok. Moi, ça, en fait, ça fait... Ça fait un truc horrible. Ah, il y a des cafards! Il y a des lights! Ça, il était coriace, hein? C'est quoi l'inventaire? Poser. Quelle belle étagère!
Le cafard infini. Ah ouais, c'est vraiment ce que je pensais mettre dans ma maison, hein. Tout pareil. Putain, je me trompe de bouton. On tue ma famille, mais je suis désolée, mais en fait... bah, c'était un peu moche. T-shirt bébé. Bon, ils sont pas beaux, hein. Ils sont moches, je vais les vendre. Mais il y a des cafards! Mais y'en a combien? Mais putain, mais ils sautent et tout? Mais y'a 3-4... Putain, c'est dur à les tuer en plus. L'inventaire est tellement petit. Ah mais ce jeu est minus, hein. Où est la boutique de Tom Nook? Elle est là-haut. Ok, elle était au-dessus de chez Cornio. J'ai l'appel doré. Quel bonheur. Vous, vous avez pas le truc dégueu? Bon, bah, écoutez, moi, je vais me taper... Ça me donne envie de vomir, ça. Ça me donne vraiment le vertige. Oh, c'est vrai, regardez, j'avais commencé à faire plein de trucs. J'avais commencé à placer plein de fleurs partout. On va aller racheter des fleurs. J'infecte toute la maison. Tom Nook, salut. J'aimerais te vendre mes affaires que je ne veux plus. Oh putain, les cafards, ils sont... Ah merde. Attends, Tom Nook. C'est X? Ah ouais. Ok. Putain, j'ai tellement d'argent. Non, j'ai plus rien à te vendre. Si, en fait, je vais te vendre mon papier. Oui, je veux tout vendre. Ouais, 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 Kimiko, merci pour les 5 euros! Continue évidemment à ouais, 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 faire des dons, hein! Bien sûr que oui! Merci beaucoup, Kimiko! Merci pour les 5 euros! Ça, ça slay! Purée, quelqu'un veut pas arrondir au-dessus là, au 10? Vous êtes un peu shy aujourd'hui, je trouve. Allez, par là-bas. Moi, ça me paraît très bien. Ouais, ouais, ouais! Bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un veut pas arrondir à 2000? Ouais. Je rappelle, hein, là le but c'est d'atteindre les 1500. Parce que au 1500, je rappelle, on a le bingo sur ACNH. Donc let's go sur ACNH. Je vous y invite tous et toutes évidemment. C'est quoi ça? J'ai quoi comme outil? Venons, on prend les deux là. J'ai pas de filet. Le bingo avec un vendeur évidemment. Mais non, mais oh, oh là là, quel exemple pour la communauté. Mais quel exemple pour la communauté. Merci beaucoup DFD. Merci, merci. Je note le pseudo en entier, comme ça je suis sûre de pas me tromper. Oh là là, quelle beauté. Touchez votre nez évidemment également. Oh là là, 2 euros pour arrondir à 20. Ça c'est beau. Oh, putain, il y a un peu de jaune là sur le tableau, ça fait du bien. Et merci beaucoup Winnie. Je me tire les cheveux. Pensez évidemment, si jamais, pensez plus au don qu'au sub, même si je sais qu'il y en a qui certains vous êtes en automatique. On n'oublie pas la cause des dons. Ce prix-là, c'est donné. Ah non, j'ai fait B. Je me suis trompée. Oui, on a fait le loto, ouais. On a fait le loto. Ah merde, bah le nez, il marche pas, mais ouais, touchez votre pif, quoi. J'ai plus le nez. Merci pour l'avoir. J'ai plus le nez parce que du coup, j'ai des émotes de follow, ouais, 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 et tout, là. Mais touchez votre pif, évidemment. Tout à fait. C'est bon, on sait, Tom Nook. On sait comment faire, en fait. On est expérimenté, Tom Nook. On est des experts, en fait. On va aller fleurir autour de chez moi. On est à jour sur les lotos pour l'instant, ouais. On est à jour. Le prochain, il sera à 1200. Évidemment. On enlève les petites mauvaises herbes. Je peux aller là? Ouais, et on va planter. Quelle belle maison!
Allez, on va aller voir les autres habitants parce qu'on n'a pas été les voir encore. Faudrait qu'on teste de pêcher. Je me trompe de bouton, c'est un peu chiant. Y'a un train ? Y'a un train ? Ah, je peux pas le voir. Non, c'est celui sur la GameCube avec le petit chapeau comme ça. Ah, merde, c'est vrai, je peux casser les fleurs. Pas que je cours dedans. Salut, Cornio ! Putain, il a dit surprise quand même tout à l'heure. Ils sont... Je pense qu'ils ont dû se tromper dans le dialogue. Voyons voir. Est-ce que l'habitant est chez elle ? Je sais plus c'est qui habite ici. C'est Marine, non, je crois. Elle est de sortie. Et si elle est de sortie, ça veut dire qu'elle est pas sur son lopin. Oh ! Non ! Non ! Merde. Ouais, 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 faites des dons ! Ouais, 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 Athéna, merci pour le 2 euros ! Courage dans cette QETE de dons plus petits que 3. Elle pourrait faire un effort, le bot, là, il pourrait bien lire. Merci beaucoup, Athéna ! Trop la DS, en fait. Normal. Merci pour les 2 euros, tu nous arrondis à 20, c'est beau ! Est-ce qu'on arrondirait pas à 50, là ? Ouais, 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 évidemment ! Coucou les Slayers, en fait, salut Popo ! On slay tellement, mais non, mais oh là là, mais Satine. Mais quel exemple pour la communauté, Satine, évidemment. Bon, je pense que vous me forcez un peu la main, là. Allez, allez. C'est l'heure des dons. Les amis, n'oubliez pas, point d'exclamation don dans le chat pour afficher le lien pour donner un petit euro compte. Chaque centime compte. N'hésitez pas à désarrondir pour forcer les autres à réarrondir. Il y a un petit loulou qui a mis 21 sur la cagnotte globale, c'est terrible. On a passé les 35 000 euros sur la cagnotte globale, ça se félicite, bravo. N'oubliez pas, d'après Tom Nook, si t'es slay, tu donnes normal. Après tout, pour tout don effectué, les frais de port sont offerts. Et ça, ça fait évidemment plaisir. Ensuite, vous avez un don égal un don. Si tu fais un don, tu auras fait un don. Évidemment, finalement. Et Dimitri est toujours attendu à l'accueil, sa maman l'attend. Un don, donner. Donner, c'est donner, repeindre, c'est voler. Évidemment, on écoute toujours Tom Nook, puisque Tom Nook a la vérité en face de lui, finalement, si je peux me permettre. On n'oublie pas, c'est également les promos. Un don égale un merci pour aujourd'hui. Donc, bah, n'hésitez pas. Un don égale un merci. Ça, c'est assez énorme. C'est assez rare d'avoir une superbe offre de la sorte. Profitez-en, c'est le moment de se faire remercier. Point d'exclamation don, évidemment, dans le chat, c'est également épinglé au chat. Mais point d'exclamation don dans le chat, évidemment, si ça veut bien écrire. Et évidemment, de l'évidence, en fait. Évidemment, n'oubliez pas de faire un petit don, même un euro. Allez, on est à 1132. Est-ce qu'on n'irait pas à 1000? En vrai, à 1200, mais bon, est-ce que... Voilà, déjà un petit euro par-ci, un petit euro par-là, c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Point d'exclamation, don pour donner. Évidemment, pour donner. Est-ce que... Attendez, est-ce que ça fonctionne ici? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Point d'exclamation, don pour donner. Évidemment, profitez-en tant qu'il y a des promos. Actuellement, un don égale un merci. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Le cirque des noisettes également propose de vous remercier si vous faites un don. Si le cirque des noisettes propose de vous remercier si vous faites un don, c'est qu'il faut vraiment donner. Parce que si le cirque des noisettes se déplace pour vous remercier, c'est quelque chose. Attendez, je suis pas assez en RP. Ah, je suis pas assez en RP. Bonjour à tous, c'est Samantha de l'accueil. Bonjour à tous, c'est Samantha de l'accueil. On va remercier Océane. On va remercier Océane pour ses 20,79 €. Qui nous monte à 1152,79 € en fait. Merci beaucoup Océane, tu dettes ça. Tu dettes ça en fait. Merci Océane pour ton don. Merci beaucoup pour tes 20,79 €. Après, maintenant que ça stresse tout le monde, qu'on ait un 79 sur la cagnotte, n'hésitez
Oh merde, regardez mon doigt. J'ai mis le doigt dans l'encre en fait. N'hésitez pas à évidemment à arrondir parce que là ça fait un peu tiep. Ça fait un peu tiep le 79 centimes, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il fait un peu tiep. Donc voilà. Évidemment. Le cirque des noisettes vous remercie pour votre don, madame Océane, pour les 20,79€. Merci beaucoup, le cirque des noisettes, vous êtes très reconnaissant. Mais ouais, merci le cirque des noisettes pour la prise de parole. Si jamais, il y a Dimitri, il attend toujours sa maman. Dimitri, s'il vous plaît. L'accueil attend depuis 8 jours. Vous êtes parti ou quoi? Normalement, 8 jours, vous êtes revenu faire vos courses, en fait. Donc, 8 jours, ça, c'est pour... Voilà, reprenez votre enfant, en fait. Dimitri attend. Ça fait 8 jours, là, on en a marre de le nourrir, en fait. Il va prendre les chips dans les packs, dans les rayons du magasin et il les mange. Vous trouvez ça normal? Faites un don, s'il vous plaît, pour libérer Dimitri, je sais pas, genre. Donnez pour Dimitri, en fait. On n'en peut plus, là, d'avoir Dimitri. Ça fait 8 jours qu'il attend. Le pauvre. Libérez-le, en fait. Un don et vous libérez Dimitri. Un don et vous libérez Dimitri, s'il vous plaît. On en a ras la casquette qui mange tous les chips du rayon. En fait. Il va boire toutes les bouteilles de coca, aussi. Et après, il chie dans le rayon litière pour chat. Non, mais ça va pas, en fait. Ça passe, cet enfant. On n'en veut plus. Libérez Dimitri. Libérez-le en fait. Donnez pour lui en fait. Il faut le libérer en fait. Le crado, bah ouais, mais il fait ses besoins là où il peut, hein. Vous savez, madame Dimitri, il fait ses besoins dans la litière. Après, il ramasse, il met à la poubelle, tu vois. Mais bon, quand même, un peu d'honneur, quoi. Je me disais, ça pue dans le rayon litière. Bah, désolé, monsieur, on fait ce qu'on peut pour nettoyer, en fait. On fait tout ce qu'on peut pour nettoyer, en fait. On n'est pas... On fait ce qu'on peut, en fait. En fait. Celui qui libère Dimitri devient son parent légal, en fait. Normal. Normal. Il fait des dons en crotte. Normal. Mais bon, on s'en passerait. On s'en passerait. Petit message du cirque des noisettes. On a vu Dimitri. Il était en train de manger le polystyrène dans la réserve. Donc il faut vraiment le libérer. Ça devient un peu grave ce qui se passe ici. Donc pensez-y, un don égale une libération pour Dimitri. Merci le cirque des noisettes pour cette belle prise de parole. Merci pour cette belle prise de parole encore une fois. Ouais, faites des dons. Oh là là, sauvez Dimitri, merci. Sauvez Dimitri. Jenouille devient la tutrice légale de Dimitri. Oh purée, merci madame, vous avez fait un beau geste. Et merci pour vos 7,21€, vous réarrondissez la cagnotte en fait. Merci, vous avez libéré Dimitri. Merci beaucoup, Dimitri est libéré. Dimitri is free. Jenouille qui devient la tutrice légale de Dimitri à partir de maintenant. Et bah nous je propose qu'on retourne sur Animal Crossing Gamecube en fait. Purée, excusez-moi. Purée, j'ai eu au téléphone la Samantha du magasin. Elle m'a dit que le petit garçon qui était là depuis 8 jours, il avait été adopté par une certaine Jenouille. Je trouve ça trop beau. Merci pour ce beau don, franchement. Ça lui a permis de retrouver une famille. On peut applaudir dans le chat, c'est une belle histoire qui tourne bien. Bravo à Jenouille qui a adopté Dimitri finalement. C'est une très belle histoire familiale qui commence. Voilà, bravo. Bravo à lui. Merci pour lui, ça faisait un moment qu'il attendait le pauvre. Hein. Vous savez, là, 8 jours on m'a dit. Hein. Il y avait le cirque des noisettes qui passait pour le divertir, mais c'était jamais assez en même temps. Oh, il y a Olivia. Ah, ta tête me dit quelque chose, voyons, quel est ton nom déjà? Ron ron ron. J'y suis, c'est OC. Non, je n'aurais jamais pu t'oublier, ron ron ron. Bah, s'il te plaît, laisse Inès applaudir, le bot. On est amis, pas vrai? Bah ouais, apparemment, on est grave amis, tu m'as oublié. Trêve de bavardage, t'as besoin de quelque chose? Ron, 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 il y a du nouveau? Il y a plein de choses à faire en automne avec tous ces événements qui se profilent. Quel est ton événement préféré en automne? La fête du sport? Ah, tu apprécies la fête du sport? C'est vrai, c'est chouette. J'adore regarder les séances matinales d'aérobic. Rire en observant ça, c'est mon sport à moi. Oh la connasse. Est-ce que je peux rentrer chez toi? Pousse-toi un peu. Elle a une belle porte, vous avez vu, il y a un petit cœur sur la porte. C'est mignon. Ça va, hein? Ça, c'est le lit royal, il était sympa en vrai à cette époque-là.
J'aime bien la couverture, ça fait un peu rustique. Putain, c'est énorme ce truc là. Bah purée. Mais le piano est en diagonale. Un peu, ouais. Je suis punie en fait, ça peut décider l'adoption de Dimitri, mais t'as raison Inès, désolé, le bot il a été un peu tracassé par tous ces emojis. Faut pas faire attention. Venons, on ramasse les coquillages, on va les vendre. Bah tu peux le faire Lolo. Ah non, d'angle de diagonale, ok pardon. Puis tu peux le faire la caméra. Trop bien le ponton, il a toujours pas amiral ici. De toute façon je crois que je l'aurais pas, faut connecter une Game Boy. Moi j'ai pas de Game Boy Advance à connecter. Venez, on essaye de faire la pierre à clochette. Merde. C'est pas elle. Peut-être que c'est elle. Regardez Marée. Trop mignon. Il date. Enfin c'est chaussée. Non c'est Marée. C'est Marée de la Marée Chaussée. J'arrive pas, hein. C'est pas ça. Y'a quoi de trouver? Mais non, c'est son nom. C'est Marée. M-A-R-E-T. Et ça, c'est Chaussée. Un haut couchant. Oui, c'est ça, c'est à moi. Merci. On recherche. C'est clairement Thibaut, non? Ah, mais ça fait trop peur le truc sur la porte, là, regardez. Ah. Ouais, ils ont remplacé ça. C'est terrible, hein. Relax. Ça on l'a fait. Ah mais attendez, on va pouvoir donner notre insecte qu'on a capturé là. Ouais ouais ouais. Quelle heure est-il? Je suis tellement fatiguée. Je suis plutôt un oiseau de nuit, oui. Donner un objet. La demoiselle. Je vois, c'est une demoiselle si je me trompe pas. En fait, je déteste les toucher. Bah, normal. Bah, arrête la pauvre, c'est une libellule. Venez, on va la voir. Vous avez vu les vitraux du musée, comment c'est joli? Par contre, le musée ici, c'était quelque chose d'autre. Hein. Elle est là. Voilà, le musée des insectes, c'était ça, hein, à l'époque. C'est tout. Non, c'est GameCube. Ça se voit que c'est pas New Leaf quand même. Avec le perso avec le petit chapeau comme ça, c'est uniquement GameCube. On peut pas l'enlever, on a une tête de con, du coup je ressemble à rien. Salut Olivia! Trêve de bavardage, t'as besoin de quelque chose? Je m'ennuie! Tu portes toujours les mêmes vêtements? Comment tu fais lorsque tu dois les laver? Tu restes chez toi toute la journée? Tu sors à moitié nu? Eh bien t'as de la chance, je vais t'aider. Tu vas avoir l'honneur d'acheter mes vieilles fringues. Je vais te montrer 5 vêtements et je te dirai leur prix. Tu cries quand il y en a un qui t'intéresse. Mais vas-y, elle me force à acheter son truc. Passons aux choses sérieuses. Voici le premier. Vas-y, suivant. Ah ! C'est cher, sa mère. Mais c'est super cher, grosse. Non, je l'ai acheté. J'aurais dû acheter le premier, je le savais. J'aurais dû pas l'écouter.
Je le savais. Grognasse. Alors attendez, on est où là? Olivia, et là c'est chez Béa. Le lopin ici. Ah bah elle est là. Bonjour, je crois qu'on se connaît pas, je m'appelle Béa. Oh, elle vient d'arriver. C'est une joie de te rencontrer, mon chaton. Oh, trop mignonne. Bonjour, mon chaton. Dis-moi, Océ. Que veux-tu, mon chaton? Discutons. Pour Halloween, tout le monde se déguise. Impossible de se reconnaître, de reconnaître qui que ce soit, mon chaton. Bonjour, Océ Carrie. J'espère que vous allez bien. Il n'y a que les gens que nous connaissons à une exception, un type étrange que personne ne connaît. Il n'apparaît que la nuit d'Halloween. Je me demande bien qui c'est, mon chaton. Trop mignonne. À la place, regardez. Oh, il y a Marine. Marine, elle cavale, là. Il y a Caro. Il y a les deux. Ça fait des siècles qu'on t'a pas vu, mais tu as l'air toujours aussi déprimé. Ne dis rien, tu étais clouée au lit, malade comme un chien, c'est ça, Minouche. Je te l'ai déjà dit et je te le répète, prends bien soin de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux, Minouche? Tu sais quoi, une amie m'a donné une fringue l'autre jour, mais elle ne me va pas du tout. Je ne l'ai même pas mise une seule fois, elle moisit tout simplement dans mon placard. Je me disais que tu me l'achèterais peut-être pour 300... J'achète. Elle ne me va pas, mais je suis sûre qu'elle tira à perfection, Minouche. Elle valait sûrement moins cher en magasin, mais c'est trop tard maintenant. Et salut, ça fait des siècles qu'on t'a pas vu, mais t'as toujours l'air aussi déprimé. Je me balade. Tu sais, j'ai réalisé la dernière fois que j'ai joué avec ma NES. Tu sais que ma manette plus te permet de jouer. Tu peux également utiliser le stick directionnel. Mais je prenne d'un coup de jeune, mon canard. Merci. Du neuf. J'ai un cadeau super pour toi, mon canard. Tu vas m'adorer. Voici trois boîtes. Il y a quelque chose de bien dans chacune des boîtes, mais tu ne peux en choisir qu'une. Au milieu. Tu choisis celle-là? Tu ne peux plus changer d'avis, mon canard. Regardons un peu. C'est un carrelage rouge. Génial, non? Permets-moi de te donner un conseil. Tu dois toujours assortir ton papier peint et ton tapis, mon canard. Mignonne. Oh, il y a un hand spinner. Il y a le hand spinner. Arrêtez, elle est mignonne, Caro. Vous êtes vilain avec elle. Elle est plutôt mignonne. Je suis un peu perdue, hein. Sympa, Marine. Trop gentille, en tout cas. Franchement, ça fait plaisir. Bah après, Caro, elle m'a dit la même chose, hein. Franchement, c'est un peu la teon, si je peux me permettre. Caro, la seule qui t'offre un truc. C'est vrai, elle est gentille, hein. Les autres, ils me les vendent. Mais je crois que c'est exactement le carrelage que j'ai chez moi. Bah, elle va te faire foutre. C'est exactement le même carrelage que j'ai chez moi. Je vais aller revendre ton vieux carrelage de merde. Je me casse. Quelle ville de merde. Je vais vendre tout à Tom Nook. J'en peux plus. Ils me nuisent. Merci Orion. Je veux vendre son vieux carrelage de marde. Continuez à donner là. Vous faites des pauses et tout. Ça va pas te faire des pauses, vous, hein. Vous êtes zinzin, moi je reconnais. Je vends tout Tom Nook. Je m'en vais, Tom Nook, bye. Salut Mariana, comment ça va? Tu vas bien? Je vais mettre une story pour dire qu'on est sur Animal Crossing. Quelle belle couleur. Hop. Oui, on a joué vite fait. Après, Tomodachi, c'est un jeu auquel tu reviens plusieurs fois dans la journée.
parce que en fait les persos, il faut qu'ils se reload en gros dans les quêtes et tout qu'ils doivent faire. Du coup, on va relancer plusieurs fois dans la journée. Distrais-moi. J'aurais tellement voulu qu'il y ait une bibliothèque à Crouton. Je suis persuadée que la qualité de vie de tous les habitants s'en trouverait améliorée. Évidemment que je pense que ça a peu d'importance. C'est lent, hein. Tout est lent dans ce jeu, c'est fou. Vas-y, on le demande, j'ai besoin d'aide. Enfin, tu as besoin d'aide. Puisque t'insistes, tu pourrais essayer de me récupérer mon super appareil photo. Caro doit l'avoir. Mais je me demande pourquoi je fais confiance à quelqu'un comme ça qui ne rend jamais rien. Tu peux aller lui demander pour moi lui demander et pourquoi pas récupérer mon bien. Je m'en charge. Et ben voilà, je compte sur toi. Bah super, bah on y va, hein. Caro, cette voleuse. C'est fou ça de voler les affaires des autres comme ça. Est-ce qu'on est une petite voleuse comme ça, franchement? C'est un peu la teon, si je peux me permettre. C'est chiant pour passer. C'est Caro, c'est une voleuse. Tu devrais appeler la police des dons, je pense, Lox. Elle était là tout à l'heure. Bah, elle est là, super. Est-ce que c'est toi? Elle va me dire non, mais c'est pas moi qui l'a, c'est Marine qui l'a. Je récolte. Très bien, mais n'oublie pas de porter ce... Mais n'oublie pas de porter ce magnifique appareil photo à Cornio, mon canard. Je te jure, ça ne me ressemble pas d'oublier de rendre un truc pendant si longtemps. Mon œil. Ben, c'est parfait. Il s'agit de pas oublier. Maintenant, mon canard. Ok, j'y vais tout de suite, comme ça, c'est fait. Menteuse Caro. Ça se voit, elle ment. C'est une grosse mytho. Ah ! OMG, c'est presque un sans faute. Putain, c'est quoi le bouton? C'est pas le même bouton que sur New Leaf. Les pierres à clochettes, c'est vraiment le truc... Merci Lox pour la police des dons. Plus que 340€ pour le bingo, les gars. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 10 000. La vache, ça stonks. Faut les mettre un par un, là. C'est chiant. En fait, c'est ce qui te rapporte le plus tous les jours, la pierre à clochette. Hein. Franchement. 10 000 le sac de clochette dans la pierre à clochette. Ça, c'est cool. Hein. Oh, les mains, la police des dons, faites un don, sinon je vous arrête. Oh, il a dit, hein, c'est la police des dons. Hein. Oh, les mains. Peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain, il a dit. Hein. Il était... Ah non, il est en haut, Cornio. Ouais, il est en haut. Hein. Oui, il est là. Pourquoi il cavale comme ça? Ça va, oui, de courir? Qu'est-ce que tu veux? Livraison. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est sûr, l'appareil... c'est sûr, c'est l'appareil photo que j'attendais. Merci mille fois, sans toi, je l'aurais jamais revu. Voici tes fringues... des fringues cool pour toi. Tu es unique. Quel soulagement de pouvoir compter sur toi. Merci. Je peux t'aider? J'avais un truc à faire à l'instant, attends. Non, je retrouve pas, je regrette. Ok. On va aller dans l'autre côté de la carte. Pour aller voir les autres là-haut, on n'a pas fait. On va aller regarder. On est un peu perdu là, si je peux me permettre. Il y avait Gogo. Oh, fuck. Au ciel, mais c'est OC, qu'est-ce qui me vaut cet honneur, Wistiti? Même pas une nouvelle de toi pendant... J'ai pas joué pendant un an. J'espère que tu n'as pas fait des tours pendables dans mon dos au moins. Et pourquoi tu me parles, toi? T'as du neuf? Tu veux une nouvelle tenue? C'est quelqu'un qui me l'a donné. Trop excentrique pour moi. Toi, t'es du genre fashion victime, alors c'est parfait. C'est un t-shirt numéro 5. Vas-y, j'achète. J'essaye d'être amie avec eux. J'ai envie de le taper. Ils sont très honnêtes, hein. Oh, du calme, continue comme ça et je te promets que t'auras mal. Ok, me redis pareil.
Ouah ! Qu'est-ce que tu veux exactement, avoir mal ? Ok, il nous fait un neuneu là. Tu veux te battre ? T'as du cran, gamine ? Bah ouais, je vais me battre avec un gorille, à quoi ? Il va me dire les mêmes trucs en boucle ? Bon, il pue du cul. Si je lui parle juste, il me dit quoi ? Vraiment, c'est pourquoi tu me fais perdre mon temps ? Tu sais que je suis pressée. Et je veux pas te parler, même pas te voir, je préfère pas que tu traînes dans mes pattes. Bah, je vais aller regarder chez toi pour la peine. Ah, il est parti en colère, hein. Il est parti en colère, hein. Ne déguiser en gorille, oh. Un peu random, sa déco. Ils sont un peu vilains, hein, si je peux me permettre. Oui, c'est celui-là, Océane, tout à fait. Sur cet opus-là, dans une autre partie, il y avait mes habitants, ils me fuyaient. Genre, vraiment, je m'approchais d'eux et ils me fuyaient. Ils partaient en courant. Mirza, coucou, t'es trop belle. Je sens mauvais ou quoi? Tu viens plus me voir pour discuter? Oh, bébé. Ça fait 12 mois que t'es pas venue par ici, ça fait vraiment un bail. Tu veux que je te dise? C'est cruel, tu es cruel. Je me sens si seule. Oh, la grosse pique-me. Alors, t'as sûrement de bonnes raisons de venir me voir. Distrais-moi. Tu n'arrêtes pas de me tourner autour comme si tu voulais me demander quelque chose. Je veux vendre. Que puis-je faire pour toi? Tu es vraiment rigolote, tu as trouvé ça toute seule? Je te dis sérieusement, tu es pince sans rire. C'est pour ça que je t'ai suivi. J'adore les bonnes blagues. Ok. T'as du boulot pour moi? Tu pourrais aller voir si Gogo en a fini avec ma super montre. Gogo me rend jamais rien, même si tu dis que tu en as besoin immédiatement, qu'elle plaît. Je sais que c'est embêtant, mais tu aurais-tu un moment pour aller récupérer mon bien? Je m'en charge. Ça représente beaucoup de travail, mais il habite juste ici, donc c'est superbe. C'est bon, il est plus en colère. Pourquoi tu me parles? Donne-moi la montre. J'aurais jamais dû la garder aussi longtemps qu'elle bille. Bah après c'est ta voisine, tu peux aller la voir, elle est vraiment à côté quoi. T'es officiellement en charge de cette tâche. Ok. Ok, ok. Je te jure. Attendez, je vais remettre ma... Bah non, faut que je garde le fil. J'ai peur de les taper, mais si je m'approche assez, ça devrait aller. Livraison. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la montre que j'attendais, waf. Je pensais ne jamais la voir, ça me fait vraiment plaisir, waf. Je voulais te donner ce papier à lettres pour te montrer ma gratitude. Bah moi je m'en fous de ton vieux papier à lettres là. Putain, de moi des sous, je sais pas. Tiens, du papier à lettres pour me montrer ta belle gratitude. Mirza, pousse-toi, c'est mon insecte. Putain, elle l'a fait fuir. Tu devrais tous les arrêter, l'ox de fou, ils ont pas fait de dons depuis... Depuis 21 minutes sans dons. C'est la honte. Faites des dons, wesh. Vous avez pas fait de dons depuis 21 minutes. Ça fait beaucoup, hein. Allô? Allô, le monde? Il y a une grande chanteuse qui dirait « Est-ce que tout va bien, allô, le monde? Je n'y comprends plus rien, allô, le monde? » J'espère que vous avez la rêve, sinon j'ai la honte. Voilà, c'est dit. Pour le musée, faudra qu'on envoie nos fossiles. Ah mais c'est vrai, les fossiles, en fait, faut les envoyer par lettre et tout, c'est trop chiant. En fait, dans ce jeu-là, les fossiles, tu les envoies à un autre musée qui les expertise pour toi et qui te les renvoie après. Ah, vous connaissez? Tant mieux alors. J'écoutais cette musique en boucle quand j'étais petite. J'aimais bien. Et Tortimer, il te donne une quête un jour avec le phare. Il faut rentrer dans le phare pour aller l'allumer. Salut Olivia. Il y a plein d'insectes, mais... C'est vachement dur de se repérer, je trouve, dans cette carte avec les lopins, là. Je suis un peu perturbée. Ah, Scooter, on lui a pas dit bonjour. Yo, Zag Zag, bien le bonjour. Mais... C'est Océane, non? Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu, je commençais à penser que t'avais déménagé. J'ai l'impression que t'as besoin de quelque chose, raconte. On discute?
savais que tout le monde a une couleur porte-bonheur. Je vais deviner la tienne. Voyons un peu. Apparemment, tu serais totalement bleu clair. Pas du tout. Vraiment ? Elle est tellement cool, je suis sûre qu'elle tirait parfaitement. Tu t'es trompé. C'est pas grave, il accepte de s'être trompé, c'est superbe. Bon, par contre, les trous dans cette... dans ce jeu-là, ils sont super durs à choper. Les trous de fossiles. Parce qu'ils sont très 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 bien dissimulés, je trouve. C'est compliqué, la carte. Ouais, regardez là. Je vais le louper. Oh, c'est un objet. J'ai déterré une palme de Tanabata. Une plante, non? Depuis quand on déterre les objets comme ça? Il est trop Beam Scooter. Salut Maxime, bonjour à ceux qui arrivent. Oh, mais je sais pas si ça va marcher, je crois que c'est 90 000 pour que ça marche, non? Faut que j'aille vendre. Je vais aller tout vendre, même les fossiles, c'est pas grave. Et je vais aller mettre le palmier dans ma maison. Des bisous Coco, bon courage pour le travail. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien en tout cas. N'hésitez pas pour l'exclamation don dans le chat évidemment. Je ne sais absolument pas où je suis. Ok. Je commence à avoir faim. Je n'ai pas mangé hier soir, j'avais pas faim. Et là du coup je commence à avoir un peu la dalle. Le bot il est cassé. Bah non normalement. Pourquoi il est cassé? Oh c'est le... le bambou aveux. Voyons un peu. La carte jaune indique, j'espère que tout le monde s'entendra bien. J'ai eu le bambou aveu, OMG! Donc c'est une palme de Tanabata, ça s'appelle, je ne savais pas. Ouais, 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 faites des dons! Ouais, Lox! Oh les mains, c'est la police des dons. Pour éviter les menottes et la prison, faites des dons au profit de Etacos et défoncez tous les paliers. Bien dit, Lox! On peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire! Moi je compte sur vous pour le bingo. En vrai franchement les gars ce serait top là. Bon je dis ça mais ça va être un peu short. Mais ce serait vraiment incroyable que là on arrive mais non, dans mais le début oh de l'après-midi. Mais quel exemple pour la communauté. Océane. J'ai évité la prison. T'as tellement évité la prison. Merci beaucoup pour les 14,21€. Merci beaucoup. Ce serait fou qu'on arrive aux 1500 aujourd'hui. Genre avant là. Ce serait bien qu'on arrive aux 1500 avant 15h. Parce qu'on en a pour 4h de faire le bingo. Arvandor est chaud de genre se dire vas-y let's go on fait le bingo direct après là. Ce serait top. Don il marche pas. Mais comment ça il marche pas? Bois de l'eau, gouttelette. Ça va pas ou quoi? De toute façon le lien est épinglé si jamais. Ah oui il marche pas. Le lien est épinglé si jamais vous en avez besoin. Je vous le remets. Pour faire des dons, je vous mets le lien. Et c'est Océane qu'il faut que je note. Popopo. Le bot est plus sur le stream. Je savais que j'aurais dû garder mon bot. Je m'étais dit. Ça va, le lien on l'a. C'est pas très grave. Il est là, ça doit être un petit down, il va revenir. Il va revenir je pense. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, on a dit qu'on allait vendre. Merci en tout cas pour vos dons. Merci beaucoup, on continue à donner. Quelqu'un peut m'arrondir ce 21 centimes? N'est pas connecté. Il est parti faire popo. Bah ouais, ça pose aussi, il a le droit. Faut bien qu'il mange, il a raison hein. Il a raison d'aller manger le bot. Moi aussi, il va falloir que je mange en fait. Qu'est-ce que je me fais ce midi? Je sais pas ce que je vais manger. Quelqu'un va bien m'arrondir ce compteur là. Cette cagnotte, on est bientôt aux 200, hein. Aux 1200€. On est très proche des 1200€ là. Il manque quoi? Il manque 23,79€. Non, j'ai plus de concombre blocks. Je sais pas ce que je vais manger. En fait, j'ai acheté du thon. J'ai acheté du thon.
et genre du Saint-Mauré, et j'ai acheté des petits trucs, genre des espèces de graissins, et j'ai trop envie de manger ça, genre j'ai une énorme envie de ça. Il faudrait que je mange un truc, un vrai truc à manger, mais... Voilà quoi. Des chiffres, je mange des chiffres brettes, moutarde miel. Ça je connais pas ça, moutarde miel, c'est bon ça? En vrai moutarde ça peut être vachement bon en chips, j'ai jamais goûté. On était sur la playa. C'est grignoté, ouais voilà c'est du grignotage, faudrait que je mange un vrai mangeage aussi, mais là j'ai envie de grignoter. C'est juste que j'ai pas le temps de me faire cuire des trucs là, le truc que j'ai dans mon frigo ça va me prendre tellement de temps à faire cuire. Allez, on récupère les coquillages. Ils valent vraiment rien dans ce jeu. C'est super dur dans ce jeu de se faire des sous, je trouve. Pourquoi il y a un trou ici? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, en fait. Petite salade, mais j'ai pas de quoi faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 Genouille qui a rendu. Il manque 20 euros. Merci, Genouille. Merci beaucoup. Ouais, 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 faites des dons, évidemment. Merci beaucoup, Genouille, pour cette belle arrondissage. Et coucou, Lala, comment ça va? Cette belle arrondissage. Ça ne veut rien dire. Faut que je monte un peu là-haut, je mets tout en bas, là, avec ce gros paquet de dons, là. 20 euros et on a un petit loto. Est-ce que c'est pas beau, ça, franchement? Mais c'est qui habite au bord de la mer, là? On a vu ou pas l'habitant qui habite là? Mais c'est Caro, je crois. Il me semble que ça doit être Caro. Plus que 20 euros pour le petit loto. Ouais, c'est chez Caro, mais Caro elle est pas là, du coup je peux pas rentrer. Je remplace Voli, dis plus merci. Bah Voli il est au travail, les gars. Le pauvre, miskin. Mais il a pas grand chose à faire aujourd'hui. T'as compté le nombre de dons sur le. Le nombre de dons sur le popcorn ou pas? De dons sur. Non, j'ai pas compté. Mais il y en a. Il y en a beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, c'est dur à les avoir, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, putain, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 dons. 90 dons. C'est énorme. 90 dons sur le débat popcorn salé ou sucré quand même que Louini a lancé. Je crois que c'est Louini qui a lancé. Ou RL. Non, c'était RL qui a lancé, je crois. Je sais plus. Je sais plus qui a lancé, mais en tout cas, c'est un très très beau... un très très beau débat qui nous a rapporté beaucoup d'argent, finalement. Salut, Annie Dingo! Il y a quand même pas mal de panneaux stop à mettre dans des rues, là, si je peux me permettre. Il faut retrouver un débat pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme débat? Un truc pareil, sauf pitié, pas en chocolat chocolatine, parce que ça marche pas. C'est où la boutique, celle-là? Pâte au sucre ou pizza à l'ananas? Et
Beurre de micelle. Mais ça, c'est pas toute la France. Faut un goût, tu vois. Faut un goût qui peut être grave débattu. Kiri ou vache kiri. Céréales avant ou après le lait, j'avoue, ça c'est un bon débat. Allez, la team des dons de 1€. Je vous laisse ouvrir le débat, le lait avant ou après les céréales. Moi j'avoue, je suis team lait après. Mais quand j'ai déjà du lait, je suis team avant. Parce que du coup, le lait est déjà dedans. Quand je me recharge mon petit bol de céréales, tu vois. Moi je vous entends pas, je vous lis pas, j'entends que les dons. J'entends que les dons. J'entends que les dons. J'entends que les dons en fait. Le lien il marche pas, Lox, attends, tiens. Je sais pas, il marche plus. Mais attendez, je vais réactiver la commande des dons. Hein. J'en avais fait une au cas où. Comme ça au pire il y aura deux fois la commande de dons, puis c'est pas grave. Pourquoi il marche pas? Hop. Voilà. Les avant, car personne met les céréales à chauffer dans le micro-ondes. Mais tu... Ah, vous mettez... vous faites chauffer votre lait? Moi, j'avoue, je suis team lait froid pour le lait. Et si on met du jus d'orange dans les céréales, on fait comment? Bah, on va se faire foutre, je pense. Je pense qu'on va se faire foutre, non? Comment ça? Comment ça, le jus d'orange? Oui, sinon froid, les céréales sont plus dures à manger. Ah, moi j'avoue, je suis team céréales dures. Je déteste quand ils sont ramollis, ça me répugne au niveau de la texture. Vous faites pas ça, vous? T'inquiète. Si, si, on fait grave ça et tout, ouais. On est grave des gens comme ça, donc... Ah, je voulais récupérer les... Ah merde, bah, il va falloir qu'on enlève notre pelle. Je voulais récupérer les fruits pour les vendre. Attends, les fruits, comment ils ont sauté sur l'arbre? C'est tout mou, ouais, j'avoue, je déteste. J'avoue que je déteste. Venez, on va forcer le dialogue avec un habitant. Parce qu'il n'y a plus trop de fruits. Tiens, gogo. J'aime pas quand c'est tout mou non plus. Avec gogo par pitié, bien sûr que oui. Venez, on passe juste la discussion. Tu sais combien notre cher Tom Nook paye pour un hanneton foulon? T'as une idée? Je vais arrêter de bosser, je vais mettre à attraper des insectes. Allez, on les atteint les 1200, t'as raison, Lox, t'as raison. Là, on est trop en mode, on fait une pause. Non, 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 vous faites pas de pause, en fait, vous donnez. Vous donnez, en fait. On fait pas de pause ici, en fait. On n'est pas des gens en pause, en fait, on travaille. On va aller voir Béa, ça se voit, elle va me donner des trucs, elle. Ah non, c'est Mirza, c'est pas Béa. Parle-moi. Ouais, même la cagnotte globale, elle est calme, c'est vrai. Après, bon, on est encore le matin, la plupart des gens vont streamer tard. Voilà. Qui est pas ça, je sais pas. Après, on a ouvert le débat sur le lait, hein. Qui veut bien lancer le débat sur le lait et les céréales? Ah, Océane, on voit pas trop ton pseudo sur le fond, j'avais pas fait attention. Les gens se réveillent, c'est ça, laissez-les prendre un peu de début de journée, quoi. Hold El Paso, finalement. Manger ou dormir? Bah, dormir. 4 heures de sommeil, elle dit, pour être en forme. Bah, t'inquiète, les gens, ils sont en train de manger et tout. Distrais-moi. Oh non, c'est quoi ces mots? J'aurais dû écouter les prévisions météo aujourd'hui. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, alors j'ai pris un parapluie. C'est super pénible d'avoir un trimballé un parapluie quand on n'en a pas l'utilité. J'adore leur dialogue sur ce jeu, je vous jure. Je m'ennuie. Oh, ça te ferait peut-être plaisir un mur chic. Ah ouais, je prends. Elle me donne un mur chic. On va aller le mettre dans ma maison tout de suite. Je vais me faire un patato là. Un patoto. C'est quoi un patoto? De fou, Océane, j'avoue. Avec ta petite couleur.
Le fond, il bouge un peu. Le fond qu'ils nous avaient fourni, moi, il me faisait complètement laguer. Je sais pas pourquoi. Ma maison, on est là-bas. C'est un risotto, mais avec des pâtes. Je connais pas. Un patoto. Ça a l'air bon. Il me faisait trop bugger l'overlay qu'ils avaient fourni, là. J'étais carrément cassée. Ah, mur en lambris. Attendez, ça ressemble à quoi? Ok, mur de bois. Il est pas trop molle. Trop molle, trop moche. Oh, il est grave mieux, celui-là. Ben non, on va vendre ça, c'est moche. Putain, il y a des cafards! Ah, l'enfoiré. J'ai de la musique ou pas? Ma discothèque est vide, c'est trop la honte. Trop molle. ouais, Emma. Il est à 2000 euros, je crois. 2500? Je sais plus combien il est. Je crois qu'il est à 2000 euros le retour d'un let's play entier, il me semble. Il est 3000 euros. C'est un let's play entier sur ACNL. Mais sur une ROM modée, enfin hackée. Et par contre, dans 1000 euros là, moins de 1000 euros, on commence Animal Crossing coquette là. On sera coquette en fait. Et le bingo en fait, le bingo il est à 1500, on s'en rapproche, mais on est toujours pas. On y est toujours pas. Un train! Salut toi! Le train, le train! Oh, il s'arrête! Drama, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux monter! C'est trop bien la gare sous forme comme ça, je trouve, tu sais, où tu rentres dans un faux bâtiment. Et c'est un quai, tu vois. Lazare comme la gare, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, ouais. Recali la petite louloute sucrée au sucre sucré. Venez, on va voir Opélie, on n'a pas été la voir encore. On va voir Opélie en fait. Salut Opélie la plus belle. Bah rien. Bah voilà hein. Faites un don pour avoir l'île coquette évidemment, sinon elle commencera beaucoup plus tard dans la semaine quoi. Enfin dans la semaine prochaine. Mais en fait, vous savez, je me tâte à me mettre dans la catégorie Animal Crossing parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens captent pas en Special Events si je suis pas dans la catégorie du jeu que je fais. Je vais me mettre dans ACNH parce que dans la catégorie Animal Crossing classique, les gens ne la connaissent pas. Mais je change la catégorie, on teste. Parce que j'ai l'impression vraiment que la catégorie Special Event, elle est pas du tout adaptée pour quand on joue. Genre les gens captent pas qu'on joue, du coup ils sont là en mode oh, bof. Sauf qu'en fait, faut les attirer, faut qu'ils fassent des dons. Ouais, je pense, Shaima. Quand on fait un jeu, on va se mettre sur le jeu. Ok. C'est beau, Locke, ce que tu dis là. Je le mets en avant, ce message. Est-ce que je peux? Ah. Contribuer à atteindre les 1500 euros pour le bingo ACNH. Tous les dons comptent, évidemment. Point d'exclamation don. Donne, j'ai faim, je pense que j'allais me faire vite faire un truc à manger. En avant une annonce. Bah si, je l'ai mis. Enfin, tu peux. Il est pas affiché normalement, mais tu peux la mettre. Bah, je pense que je vais grignoter. C'est quoi? Je fais quoi? Je succombe à mon caprice du grignotage? Oui, mais en avant comme ça, je veux dire. Salut ma petite louloute. Merde, j'aurais dû lui dire oui.
T'as besoin de quelque chose? Je veux du taf. T'as pas un truc à me donner? J'ai rien à te demander. Ok. Non, y a pas Neuneu. C'est une autre partie. Neuneu, il est plus là. Il est pas sur cette partie, Neuneu, malheureusement. C'est vrai, faut que je me fasse à manger, un vrai manger. Attendez, mais pardon? Attendez, elle me proposait 45 000 clochettes, le truc. Non, j'ai pas mangé hier, mais j'avais pas du tout faim. Je grignoterai pour le goûter, t'as raison, j'ai canaré. Je ferai ça pour le goûter. Le prix paraît un peu trop élevé, bah bien sûr que oui, ouais, c'est tout mon argent. Je vais te dire quelque chose, parfois si tu laisses passer une affaire, elle peut très bien ne jamais se présenter. Tu comprendras assez vite. Je vois, certaines personnes ne comprennent jamais, j'espère que tu auras retenu la leçon. Ouais, 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 faites des dons. Ok, ma belle. Ouais, le lait, c'est après les céréales. Les trésors, c'est les meilleurs plus petits que 3. Ok, Céleste a officiellement lancé le débat. Lait avant ou après les céréales? Moi, j'aime bien l'idée. Alors du coup, Céleste, t'es team quoi? Lait après les céréales. Ok, la team lait avant les céréales, c'est à vous de jouer. Je vais mettre les... Merde. Les... Après. Dans le... Sur le truc. Mais pas le lait dans les céréales. Bah, tu mets le lait dans les céréales. Ok, je mets le débat ici. Le lait après les céréales qui l'emporte pour l'instant. Désolée, la team lait avant. Pour l'instant, c'est la team lait après qui l'emporte. Et je trouve que cette team a archi raison, si je peux me permettre de dire que je me permets. Archi raison. Un jour, un débat de dons. Mais moi, je suis archi d'accord. Je suis archi d'accord. Participer au débat, évidemment. Ici, la team. Trêve de Salam Alek. Ok. Alors quoi de neuf? Ok, comme ça j'ai trouvé ce truc. Je vais te demander une petite récompense. Je ne prendrai que la moitié de ton argent. Elle me prend mes sous! Elle m'a volé mes thunes! Elle m'a volé toutes mes thunes! Elle m'a volé la moitié de mes sous! 22 000 clochettes pour un putain de meuble! C'est une blague! C'est une vanne! Pour un fucking rocher de jardin! C'est une blague! C'est une vaste blague, j'espère! Elle m'a raquetté! Elle m'a raquetté! Et elle a même pas fait un don! Elle m'a volé la moitié de mon argent pour un putain de rocher de jardin! Mon argent! Dis bien Inès, dis bien les termes! Oh la pétasse! Je suis choquée, elle m'a volé tous mes sous! Elle m'a volé tous mes sous! J'avais durement acquis tout cet argent pour rembourser mon prêt, je le gardais tranquillement dans mes poches. Je vais aller foutre mon argent par terre dans ma maison en fait. Pour un fucking rocher de jardin. Vas-y, ça sert à rien, je peux même pas faire des stacks de sous. C'est tellement une traître. C'est vraiment une traître. Je la hais. C'est elle que je vais manger. Je vais la faire cuire à la casserole. Je suis choc barre. Je suis choquée. Oh non, ça bug. Elle m'a volé la moitié de mes sous. 22 000 clochettes pour un putain de meuble. C'est une blague. Elle m'a volé mes thunes. C'est vraiment une voleuse. Je suis choquée. Pour un fucking rocher de jardin. J'ai trop le mort. Ça va pas. Je vais jamais me refaire là. Voilà, 1300. Je me fais chier à vendre des trucs à Tom Nook.
créateurs d'Animal Crossing qui apprennent à leurs, aux enfants à ne pas mentir en leur volant leurs clochettes, c'est clair. Bon, je vous passe vite fait là, j'avais cherché un truc à manger. J'ai faim. Allô, 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 vous m'entendez bien? Je vais aller dans la cuisine. J'entends pas les dons pour l'instant, là. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Comme ça, vous m'entendez, vous pouvez me suivre dans la cuisine. Déjà, je vais me laver les mains parce que j'ai de la... Vous allez entendre tous les bruits, c'est sympa. Petit lavage de mains. Je sais pas comment l'entendre, j'ai plein de feutres sur les doigts. Et je sais pas ce que je vais manger. Attendez, je vais prendre ma tablette pour avoir le chat, comme ça je vous aurai. Par contre, c'est trop bizarre, là, depuis que je suis partie, j'ai pas entendu un seul don. Trop louche. Vraiment bizarre, la team, là. Louche un peu. Où est ma tablette? Ouais, ouais, ouais. Bah alors, ça fait des dons? Oh là là, Olivia, si on t'attrape, tu vas voir. Bah merci, Océane, pour ton don. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est archi ça, mais pitié, continuez à donner pour insulter Olivia. Moi, j'adore l'idée. Cette voleuse d'argent. Elle m'a archi volée. Par contre, je suis vraiment choquée. Hein. Vous avez vu? Non, mais par contre, je suis vraiment outrée. Je ne pensais pas que c'était faisable. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps que les anciens jeux, que genre les anciens Animal Crossing et tout, c'est vraiment quelque chose dans le sens où... bah, c'est pas une vanne, quoi. Les habitants étaient vraiment, vraiment immondes. Hein. Ils étaient vraiment, vraiment immondes. Bon, je suis dans ma cuisine, pour ceux qui se demandent. Vous avez mon petit micro-casque. Par contre, attendez, je sais pas comment je peux faire... pour avoir le mode modérateur, en fait, sur un gestionnaire de stream. Je vais peut-être vous avoir en plus grand, là. Ah, voilà. Ah, comme ça, je vous vois bien. Je vous vois bien. À moins que je vous laisse sur l'écran. Bon, ouais, je peux faire ça, en fait. Oh, non. Non, je vais vous mettre sur la tablette comme ça. Ce sera très bien. Bah écoute, Linux, ça va très bien et toi? Stream de la chaise. Attendez, bah attendez. Je vais vous mettre quelqu'un quand même. Je peux rester là toute seule. Voilà. C'est parfait comme ça. C'est vraiment parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a dans mon petit fridge? Dans mon frigidaire? Est-ce que j'ai des trucs qui se périment prochainement? Vous êtes en immersion frigo, là. J'espère que vous appréciez. On a du poisson. Du filet de merlu. Fish and chips. Ça, j'aime bien l'idée. Je vais me faire ça. Et j'aurais bien aimé... Là, vous savez ce qui manque? Des frites. Des petites frites. BRG, arrête en fait. Je fais pas du mal à Marie. Ça va pas vous quoi là de dire des choses ainsi de la sorte, de telle sorte à ce que Marie dise des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe sur mon PC? Qu'est-ce qu'il a mon PC? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça va oui? Attendez, c'est la caméra. Faut que je la débranche. Ta gueule! Stop! C'est terrible de faire ça, la caméra, là. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment la nécessité de faire ce genre de choses? Bon. Mais elle se moque! C'est une vanne! C'est une vaste blague! Je l'ai rebranché, là. Voilà, voilà. Normalement, là, c'est plus censé bouger. J'ai hâte de déménager, les gars, pour refaire tout mon cadre management, parce que là, je suis obligée de monter debout sur mon lit pour que ça fonctionne. Attendez, je vais vous remettre l'image. Marie, elle s'est vengée, là, vous l'avez hantée et tout, je sais pas ce que vous avez fait, mais... Attendez, je vous entendrai plus. Voilà, je pense que c'était pour vous dire de faire des dons, ça, si je peux me permettre. Regardez le bingo en haut. On n'est pas loin et quelqu'un peut m'arrondir cette cagnotte, là, quelle immondice, là. Mais attendez, comment ça, en fait? Ça va pas ou quoi d'être à 1183 euros, là? Ça va pas, en fait, ou quoi? Et puis les centimes, là, non mais alors? C'est une vie, ça? C'est une vie d'avoir des petits centimes comme ça? Franchement, 44 centimes. Bon, attendez, ma poêle, elle chauffe, là. Il faut que j'arrête des conneries, là, moi, il faut que je me fasse à manger. Type poisson pané. Je vais m'en faire deux, comme ça, je suis pas... Qu'est-ce que je me fais comme, genre, petit truc de légumes et tout, là? Est-ce que je me fais des légumes? Donnez vos derniers centimes dans les poches de vos vestes. Évidemment, le fond de la poche du sac qui se pack, là, les gars. Il reste des petits centimes, là, donnez-les, en fait.
Alors Marie, non, elle m'a dit hier justement qu'elle était en pleine recherche de ses chaussettes. Donc malheureusement, on peut dire que non, Marie n'a toujours pas retrouvé ses chaussettes. Par contre, Marie, elle les retrouverait plus facilement si vous faisiez un don en lui indiquant où étaient et où sont ses chaussettes. Finalement. Oh non, je sais ce que je vais me faire, je vais me faire des croque-monsieur. Croque-monsieur, pain de mie de campagne, jambon et fromage. Oh ça me donne un peu faim. Je vais me faire des croque-monsieur là, j'ai trop envie de croque-monsieur. Ah merde, bah j'ai pris une poêle qui a pas assez de place dedans. C'est pas grave, je vais faire un par un. Mais j'ai mis du beurre. Merde, il faut pas de beurre pour ça. Vite. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est qui fait des dons, qui fait des superbes dons. Allez, on arrondit tout ça. Attendez, j'attends la notif. Ouais, 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 Alison, merci pour les 1,56€. Oh là là, et les gars, il manque plus que 15€ là. J'ai ça comme as, hein, mais... À peine 15€. À peine, hein, franchement, à peine 15€ pour le prochain loto. Et 315€ pour le bingo. Ce serait top qu'on passe le bingo aujourd'hui, comme je vous disais, parce que comme ça, au moins, ce sera fait. Ce serait super. Ce serait vraiment super. Ça nous permettrait aussi de commencer un peu plus tôt que prévu certains trucs que je ne vous dis pas encore. Mais plus que 3 dons de 5€ et hop, on est aux 200. Et on n'en parle plus, mais après, on parlera du palier suivant, évidemment. Évidemment, évidemment. Allez, petit croque-monsieur sur moi. Ça part dans la poêle. On enlève les petits papiers. Ouais, j'ai pris les croque-monsieur tout fait. Je me suis pas fait chier, les petits logos. En tout cas, Marie, est-ce qu'elle a l'air de bien animer ou pas? Vous trouvez qu'elle anime bien, Marie? Moi, je pense qu'en vrai, ça va. Genre, on a vu pire. C'est pas trop mal, franchement. Elle anime bien, hein. Elle présente bien, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça va. 2000 Nouvelle-Île, ouais. Je suis à la cuisine actuellement, je suis en train de faire chauffer mes petits croque-monsieur. Parce qu'évidemment, il est midi et je n'ai pas mangé hier soir et je suis allée me coucher sans avoir mangé. Donc là, actuellement, mon ventre est littéralement vide. J'ai mangé une demi-banane ce matin, mais ce n'était pas assez et j'ai failli vomir. Parce que j'avais pas du tout faim et je me suis forcée à manger ce matin. Et du coup, j'ai une demi-banane qui m'attend pour mon petit dessert. Voilà, pour les petites infos. C'est la meilleure animatrice, c'est vrai. Je trouve qu'elle parle mal de Marie. Je trouve qu'elle parle mal perso de Marie. Perso Marie. Tu trouves qu'elle... Attends, mais excuse-moi, je sais pas lire. Excuse-moi, mais tu trouves que Marie, elle parle mal? Tu trouves que Marie, elle parle mal? Après, Marie, elle est là, elle serait du genre à dire « Oui, faites des dons, il reste 15€ !» Donc voilà, en fait, je vais te casser la gueule si tu manges pas. Mais je suis en train de me faire des croque-monsieur. Je suis en train de manger, en fait. Pour qui est-ce que vous me prenez? Je suis en train de me faire à manger, en fait. Je viens de me rendre compte que le débat salé sucré, il passe sur ma... Ah, bien sûr que oui. Après, vous savez, là, il y a le débat. Je vous montre quand même ce beau débat. Le débat, là. Je vous mets à côté du tableau. Le débat, ici. Je vous montre avec ma spatule de cuisine, il y a quoi. Le débat, ici, Céleste. Le lait après les céréales. La team lait avant les céréales. Vous attendez quoi, là? Là, le Céleste gagne littéralement le débat, hein. Ma spatule, elle est belle, ma spatule. Oh là là, mais mêle les 30€ qui nous fait passer les 1215€. Je vous lance tout de suite un loto avec à l'aide de ma spatule. Loto. Merci beaucoup, Mel, pour les 30 balles. Je vous écris après, je vous mets. Je vous mettrai tout de suite sur le tableau des dons juste après avoir fait cuire mes trucs. Coucou, Harry, mon bébou, sucré au sucre, sucré au sucre. Comment ça va? T'es trop sucré au sucre. Trop sucré au sucre. N'hésitez pas, évidemment, à prendre part avec 1€ au débat que Céleste a lancé ici. Le lait après les céréales, évidemment. N'hésitez pas à mettre dans votre message, évidemment, pour quelle team vous faites partie. Merci pour les 30 balles. Et on passe le 1215€. On se rapproche des 1500. 1500, je rappelle, bingo avec notre cher Arvandor qui est également dans le chat. Évidemment. Et ça, c'est beau, hein, franchement. Je vous lis sur la tablette dans la cuisine, si jamais. Voilà. C'est superbe. C'est superbe. On peut pas grossir le chat sur tablette, genre. Il y a un petit loto, n'hésitez pas à y voter, hein, évidemment. À y prendre un petit peu de temps, histoire de mettre un chiffre. On ne sait jamais, il est gratuit. Enfin, il est gratuit. Il est lancé par vos dons. Tous les 100€ de dons, donc tous les paliers de 100, donc à 1200, on en lance un, donc c'est celui qui est en cours. 1300, prochain loto gratuit. Voilà, pensez-y, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas, hein, si jamais, encore une fois. Comment je peux faire ça? Ok. Regardez ce magnifique tableau des dons, ça vous donne pas envie, mais de fou! Bah, franchement, Linux, je viens de voir ton message en privé, moi je suis archi chaud, après c'est à vous, demande dans le groupe. Moi, ce serait ok pour moi, mais comme vous voulez.
Bon, il n'y a pas de souci de toute façon sur ça. Sur ce point-là, évidemment, tu te doutes. Sur tablette, tu peux glisser le chat vers la gauche, ça l'agrandit. Oh, carrément! Mais c'est superbe! Merci! Mais on peut pas agrandir la taille de la typo? Tu sais, genre la taille de l'écriture, c'est pas possible ça, sur la tablette? J'ai l'impression que je peux pas, parce que en fait, je suis un peu loin et je vois pas très bien. Je vais te demander, vas-y, vas-y! Ça, c'est super! Regardez le magnifique tableau des dons. Non, mais franchement, regardez-le bien. Avec Marie, là. Marie, en fait, elle fait peur comme ça. Regardez comme elle vous fixe, là. Regardez comme elle vous fixe. Peut-être dans les paramètres. Ah, ça doit être là-dedans. Ok. Ouais, ce serait pas sur Twitch. Parce que je sais que sur Twitch, tu peux. Sur l'ordinateur, tu peux cliquer sur les trois petits points là et choisir l'aspect du chat. Et tu peux donc grossir l'apparence des lettres. Enfin, de la typo, quoi. En gros. Tu peux choisir la taille que tu veux. Pour tous les textes, ouais, c'est ça. Pas que Twitch, ouais. Parce que je sais que sur PC, c'est possible. Donc, je me demandais. Merci en tout cas. Merci, merci. Bon, je vais zoomer sur l'écran, comme ça je vous verrai. On a grave que le tableau à voir, vu que tu nous prives de ta beauté. Mais je suis DSL, je suis en train de faire cuire mes croque-monsieur. Bah, normal, hein. Après, je peux pas tout faire, hein. Je peux pas être trop belle et en plus être avec vous, quoi. Après, je pourrais, hein. Faut dire les termes, je pourrais tellement être trop belle et être avec vous, mais je suis devant pour être sûre que ça brûle pas. Je m'en charge, quoi. Je vais même laver la poêle que j'ai sortie pour rien, du coup. Parce qu'elle était pleine de beurre. Donc vous allez participer à ma vaisselle. Vous pourrez faire un live vaisselle, malheureusement, je n'ai pas de caméra. J'ai que le micro pour vous y emmener. J'ai demandé au Calinex, ça marche. Bah, de toute façon, je verrai bien. Tu me donnes trop envie de faire des croque-monsieur. Mais let's go, en fait. Ah, c'est une bonne idée, le sondage, Linu. J'apprécie l'idée. Tu me donnes trop envie. Bah, je viens de le lire en fait. Je suis vraiment superbe comme personne. Hein. Évidemment, de toute façon, vous vous en doutez. Allez, ça rince la poêle là. Vous dites une poêle ou une poêle? Chez moi, c'est team poêle. Oh, on peut lancer un débat sur la team poêle et team poêle aussi. Hein, si vous aimez pas le débat. Pardon pour vos oreilles. Si vous aimez pas le débat du lait, on peut lancer un débat sur autre chose. Moi, j'ai une poêle. Poêle, tu dis? Poil, poil. La team poil, en fait. La team poil, poil. Vous êtes tous poil. Après, si vous... Non. J'allais faire une blague, mais je pense qu'on s'en passera. Faire une blague, un peu nulle. Ça dépend, c'est où les régions où on dit poil? Il y a des régions pour ça, non? Oh, on devrait grave dire poil, hein, si c'est écrit poil. Une poil. Purée, j'ai acheté un économe, ça s'appelle, vous savez, le truc pour éplucher les patates, là. J'épluche mes pommes avec, des trucs comme ça, les concombres et tout. Bah, en fait, la lame, et je sais pas si ça se rachète à l'unité, vous pensez? Elle râpe plus bien. Genre, au bout d'un moment, là, elle est trop usée, entre guillemets. Ouais, c'est l'économe, hein, c'est ça. C'est trop moche comme nom, ça a aucun sens que ça s'appelle l'économe, genre, je comprends pas le délire. Ça se rachète à l'unité? On dit femme avec un... Ah, oh, c'est vrai. T'as raison. Lime la lame. Avec une lime à ongles. Je rigole, évidemment. C'était une blague. C'est jamais. Elle était superbe, ma blague, en plus. C'était une superbe blague. Blague. Peut-être moyen de déguiser. Je sais pas, en vrai. Enfin, je regarde. Ou que je retourne juste la lame. En fait, c'était assez solide. Genre, je peux pas, tu sais, c'est pas le truc classique à 3€ là. Il est un peu plus robuste et du coup, je peux pas vraiment écarter le haut pour que ça déclipse la lame. Faudrait que je la retourne parce qu'il y a deux côtés sur la lame et un côté qui est bien. Oh la boutade. Tellement drôle. Mais j'arrive pas à. Ah, si, c'est bon, j'allais dire, j'arrive pas à voir si ça cuit ou pas parce que le pain, c'est du pain complet donc il est déjà un peu jauni. En tout cas, j'espère que ça vous plaît le live comme ça. N'hésitez pas à continuer de donner, hein. Vous slayez de toute façon. Bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement bah là, mais je suis dans ma cuisine pour... je suis actuellement là, mais je vais dans ma cuisine pour faire à manger. Et après, on retourne vite fait sur... J'avais pas capté, mais la musique du jeu en fond, là. On est sur Animal Crossing GameCube après. Marie, elle a insulté le tableau. T'es sérieuse, Marie? Tu devrais faire un don pour te faire pardonner. Elle devrait grave faire un don. Salut, Sam! C'est des croque-monsieur déjà tout fait, là, que c'est vraiment juste jambon-fromage, tu sais.
Là, je me fais pas chier, mais je pourrais grave les faire moi-même. Hein. Mais si je devais les faire moi-même, ce serait le pain de mie, un petit peu de beurre dessus, parce que c'est une dinguerie comme c'est bon. Enfin, en vrai, je mettrais quoi? Je mettrais fromage, jambon. Voilà. Et du beurre sur la tranche de pain de mie et le pain de mie en haut, et après, je ferai cuire. Marie, elle est pas gentille, c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vous a insulté? Marie, elle vous a insulté quand je suis pas là? Elle a fait ça? C'est vrai? Ah! Donne-moi un nombre entre 1 et 9. La réponse est 2. C'est 2. Bravo! N'hésitez pas à 300, à 1300, on relance un loto, si jamais ça vous intéresse. Tous les paliers de 100 euros, on relance un loto. Il y a un moustique, mais je vais le déglinguer, lui. Il est là, il me fait chier depuis quelques jours, je sais pas, genre j'ai rempoté des plantes et je crois que ça, le terreau que j'ai acheté, il y avait des petites des bestioles dedans, genre. Des petits mouchons, hein. C'est chiant, ça. J'ai pas misé plus. Pourquoi t'as gagné combien? Plus 9000 pour 600, purée, c'est bien. Hein. Elle a dit qu'on sentait la clochette. Ah, puis ça pue de fou, la clochette, en plus. Ça pue de fou, la clochette, vous savez pourquoi? Parce que tout le monde les touche. C'est comme les pièces d'argent dans la vraie vie, genre. Ça pue et tout. Ah, vous puez, ça veut dire. Moi, je suis pas d'accord, elle a grave menti. L'écoutez pas, c'est une rebelle. Elle est trop zinzine, celle-ci. Ça va pas. Hein. Je suis désolée pour vous, Marie, elle a abusé sur les propos. N'écoutez pas, elle dit vraiment des choses horribles. N'écoutez pas. Après, vous avez une chance sur 9, hein. C'est quand même pas beaucoup. Hein. C'est très peu de probabilité, hein, si je peux me permettre. C'est vraiment pas donné. Hein. Marie, tu pues. Non, pou. Elle veut plus te voir. Marie? Pourquoi elle veut plus me voir? Pourquoi elle voudrait plus me voir? Parce qu'elle est trop amoureuse? Normal. Après, je pense que Marie... Vous pensez pas que Marie, ça se voit, genre elle sort avec Tom Nook? En fait, j'hésite entre... Marie, elle est grave amoureuse de Tom Nook et Tom Nook, il en a rien à faire. Et Marie et Tom Nook ont une relation. Et où Tom Nook est amoureux de Marie. Et où genre, je sais pas, il y a quelqu'un dans l'équation encore. Pourrait y avoir qui dans l'équation amoureuse de Marie et Tom Nook? Pourrait y avoir tout le monde, en vrai. C'est un peu contre ce camp de Marie, elle a une tête de sac à clochette. C'est vraiment bien vrai. Marie, elle perd la tête. Arrêtez la peau. Marie, tu pues, Marie démission. Arrêtez. Elle mérite pas tout ça. Elle mérite pas tout ça. Regardez ce setup pour vous lire. C'est superbe, franchement, c'est vraiment superbe. Je vais laisser la tablette, mais elle a pas de batterie. Je vais mettre. En recharge. Écoutez, je vais la laisser sur le teco. Mais vous fumez Marie et Tom Nook, il y a zéro Ken. Elle a pas de daddy issue. Mais je me disais, il y avait un truc bizarre à Semi, c'est Marie. Marie, je suis DSL, tu vas retourner là-bas. Tu arrêtes d'animer mon live. T'étais trop nulle en animation. Et il faut que je note là, on a Alison et on a Mel qui ont fait des dons durant ce moment de pause. Ce superbe moment de pause, évidemment. Hop. Et je vais vous remettre sur le micro. Voilà. Marie, la coquine, tu dates, tu nous as manqué. Normal, je vous ai tellement manqué. Je mange juste avant parce que sinon j'aurai les doigts pleins de feutre encore. J'ai ma fourchette qui est pleine d'eau. Je vais manger mes petits croque-monsieur. C'est un peu fort. Le micro. C'est vrai? Bah, j'ai rien touché. C'est par rapport au micro d'avant, non? Je suis bien, non, pourtant? T'as dû trop monter ton son. Non, c'est bien. Je pense parce que moi, je suis comme d'hab, là, je suis à moins 15 décibels. Je pense que t'as dû trop monter parce que j'avais peut-être moins de son avec l'autre truc. Allez, bon appétit. Baisse le son. Vous m'avez fait peur. Arrêtez, parce qu'en plus en ce moment là, vu que je suis pas sur mon setup habituel classique, enfin si, pas carrément que si en fait. En fait, je modifie pas mal là, en ce moment, je touche pas mal au son parce que chaque jeu qu'on fait et chaque musique est un petit peu différente. Et pour les moments de hype et tout, je baisse, je remonte et tout, donc faut que je garde à peu près tout le temps les mêmes trucs. Bon allez, ça part sur un miam miam.
Vous êtes pas vous faire entendre mes bruits, non? Non, je peux pas faire ce que je voulais faire. Je voulais vous monter, mais... Bon appétit. C'est pas mauvais avec du pain, enfin du pain de mie complet. Attendez, je me mute. Bah, je me mute, mais j'ai même pas fini de parler. Continuez de faire des dons, hein. Vous pensez trop, là, c'est la fin, c'est le zouave, c'est le zbeul et tout. Faut faire un don, en fait. Qu'est-ce que je peux vous mettre en fond? Bah, je sais pas. Bah, rien. Ouais, 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 faites des dons! Alison, tu m'avais trop peur. Allez, on relance les débats. C'est vrai. Une chaussette pour dormir ou sans? Moi, perso, c'est sans. Carrément sans, ouais, j'avais pas à vous quoi avec là. Merci pour le 5 euros. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Annie Dingo? Je pense qu'il y a des filtres qui se sont enlevés sur mon micro. Horrible les chaussettes pour dormir. Je suis archi d'accord. C'est après, ça dépend quand t'as vraiment très froid aux pieds en hiver, why not, tu vois. Je trouve ça très inconfortable, mais quand même. On a un nouveau débat. On a des débats. Il y a toujours le débat du lait avant ou après les céréales, hein, si je peux me permettre. Bah, je sais même plus où vous mettre, à force, on a tellement. Allez, ça part en bas. Après, les chaussettes, quand t'es malade, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Faut le bon truc, tu vois. Ça dépend, quoi. J'avoue, Ryan, t'as raison. En même temps, c'est 100 balles qui clôturent le débat, quoi. Moi, je dis pas non si vous avez 100 balles qui traînent. Hein. Ouais, 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 faites des dons. Normal. Salut, c'est Arvan de l'or, mais pas trop. Imagine, t'arrives au lit pour Ken, t'as tes chaussettes de foot. MDR, Bah, il aurait pu tout lire, le truc, là. Merci, mon bébé sucre pour ton euro. Ce serait la honte un peu. Merci pour ton euro. Cosplay Thierry Henry. Alors là par contre. Et le calbar frigan. Manquerait plus que ça. Manquerait plus que ça. Je suis trop au chômage, sinon je donnerais de fou. Je sais, mon bébé sucré. T'es tellement sucré de toute façon. Moi, je suis plus team chaussettes de tennis, j'avoue. Ah ouais, de basket? Toi, t'es team juste chaussettes normales, mais le dis pas à tout le monde, s'il te plaît. Tu me dégoûtes un peu, mais je vais pas le lire.
C'est cool les sockets en vrai. Oh, tu imagines trop tes gros pieds qui sentent la fraise là. Les gros panards. Normal. Anecdote très très drôle. Mon papa, il a... Ils sont quatre enfants. Deux garçons et deux filles. Et la plus petite, donc ma tante, donc sa sœur la plus jeune, voilà quoi, la quarantaine passée maintenant, j'ai vraiment un copier-coller de ses pieds. Un jour, on était en tongue, genre, sur ma terrasse, quand elle était venue en vacances, genre. Et je regarde son pied, je fais... Bah oui, c'était mon pied. Et là, je dis, mais attends, mais regarde nos pieds, s'il te plaît, par pitié. C'est exactement les mêmes. On a exactement les mêmes pieds. Genre, tout pareil, un copier-coller. Et j'étais là, bah, putain, mais c'est là que je me rends compte que je suis bien de cette famille, quoi. Ça va, Léa, je te les montre pas, mes gros pieds, là. On parlait de chaussettes. Tu veux une photo de mes pieds, Liam? Je t'en fais une, je te donne 100 euros. Mais de fou, t'as l'air. De ouf. Moi, j'aurais grave donné pour avoir une photo de mes pieds. Hein. Tu peux la revendre beaucoup plus cher. Ok, 200 euros mes pieds. Bon, ok, 1000 euros mes pieds. Chacun son Everest. C'est vrai. Mais excusez-moi, c'est quoi le jus de chaussette en vrai? C'est quoi le jus de chaussette? Ah non, mais après, j'ai proposé Kaliam. Salut Dazuka, comment ça va? Non, Shaima, c'est pas ce que j'ai dit. De la transpi des pieds. Moi, je transpire pas des pieds à ce point d'avoir les chaussettes mouillées quand j'ai chaud aux pieds, quoi. Ça va, on parle d'un morceau du corps humain quand même. C'est comme les mains. Hein. Les mains, c'est les pieds des bras. Hein. C'est très philosophique, c'est ce que je dis là. On parle d'un pied en bonne santé, un beau pied. Moi, je transpire jamais des pieds, quoi. Je transpire des pieds que quand, tu sais, genre, je suis dans une matière... Genre par exemple, j'avais des claquettes, genre en moumoute. En moumoute. Et là, quand t'es pieds nus dedans, laisse tomber. Ouais, par contre, ça colle et tout. Ça. Enfin, ça colle, j'abuse. Mais genre, tu transpires des pieds, quoi. Les mains, c'est les pieds des bras, c'est vrai, hein. Bizarre, la conversation. Un beau pied. C'est vous les beaux pieds, vous êtes trop des beaux pieds, vous. Oh là là, mais ça régale. Oh là là. Mais Magda. Cher Cohen,
La roue des Gaules a décidé que je devais donner 50 euros chez quelqu'un. Le destin et le chat ont décidé que ce serait chez toi. Ouais, bravo. Merci le chat, merci le destin. Merci pour les 50 balles, Magda. Incroyable. Tu nous fais monter à la moitié de notre goal suivant qui est à 1500 euros. C'est le bingo à CNH. On aura 4 heures pour reprendre une partie de zéro et arriver aux 3 étoiles en remplissant le plus de goals possible. Chaque case qui ne sera pas remplie, je donnerai 5 euros. Si ça va et si c'est pas excessivement beaucoup de cases, je ferai aussi celle de Arvandor. Voilà. Mes DM sont ouverts. Normal, on voit tes pieds maintenant et c'est épais. Ah, c'est pour ça. Non, c'était 100 euros les pieds, on a dit. après, on peut s'arranger si c'est toi. Moi, ça me dérange pas tant. Enfin, bon. Je pense que j'ai jamais pris une photo de mes pieds. Après, bon. Voilà. Bon. Merci en tout cas pour les 50 balles. Bon stream à toi aussi, des bisous. Profite bien. J'ai mis où mon scotch, il est là. Oh là là, les 50 balles qui font plaisir, ça régale, hein. On est bientôt aux 300, les gars. On est bientôt aux 1300. J'étais vraiment en train de manger, qui plus est. N'hésitez pas à aller voir aussi le stream de Magda, évidemment. J'allais vraiment... J'étais là en train de secouer mon yaourt et là, j'entends... Oh là là, mais ça régale. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour les follow. Mais vous avez déjà vu ça? Un opercule de yaourt après l'avoir secoué aussi propre, les gars? J'ai jamais vu ça de ma vie, je suis choquée. Il est nickel, quoi. Ça, c'est beau. Tu nous envoies un pied. Je l'enverrai qu'à Magda, c'est elle qui a donné, hein. C'est... On dirait un caca perfect. Ouais, franchement, c'est vraiment pareil. C'est la même vibe. Bon, allez, attendez, je vous remets là-bas, quand même. Parce que moi, je sais faire plein de trucs en même temps. Prêt à être utilisé, l'opercule. Je te jure, je peux le remettre sur un suivant, là. Mais je sais plus quoi. En fait, vous voyez, c'est ça mon problème. Oh, il y a deux trous là. Mon problème, c'est ça sur ce jeu là, c'est que je ne sais jamais quoi faire. Genre, je fais mes petits trucs du jour, je rigole un petit peu, on s'amuse, mais après, je sais plus quoi faire. Donc, on est un peu perdu. La musique, elle est là. Wouhou, wouhou, wouhou. C'est vraiment ça quoi, la vibe. Bah, décor, mais comment tu veux que je décore? Bah là. Mais j'ai déjà acheté des fleurs et j'ai déjà planté. Et en plus, quelqu'un a encore le clip s'il vous plaît, de quand je me fais racketter la moitié de mon argent par Marine, la grognasse de service. SVP quoi. Non mais là c'était vraiment excessif. Elle est venue, elle a fait « Oh tiens, un objet, je te le donne. » Bah non, en fait, je te prends la moitié de ton argent. Regardez ça s'il vous plaît. Si vous avez loupé, c'est la honte. Ton argent ? Elle me prend 22 000. Elle m'a volé mes thunes. Elle m'a volé toutes mes thunes. C'est Olivia, c'est Olivia. Pardon Marine. 22 000 quand chèque pour un putain de meuble. C'est une blague. C'est une vanne. Mes sous, wesh. Purée. Je vois pas les fruits vu qu'ils sont... Ils sont des poires. Vous savez que... C'est terrible, hein, c'est terrible, c'est si terrible. J'ai appris il y a quelques jours là, en regardant des vidéos d'un mec qui s'appelle Hunter B, si j'ai pas de conneries. C'est un mec qui fait des vidéos sur uniquement ce jeu. Et ce mec là en fait il joue et il montre tous les secrets bien enfouis dans le jeu, etc. Tous les trucs, genre tous les bugs qu'il y avait dans le jeu. Il partage un peu, enfin il partage vraiment des trucs super cool si jamais c'est Hunter B. Et il fait des vidéos en anglais. Et j'ai découvert que dans ce jeu là, t'avais très très peu de chances de tomber sur l'orange si tu n'avais pas l'orange comme fruit de base. Genre tu peux très bien ne jamais avoir le fruit l'orange parce que genre les habitants ne te le donneront jamais littéralement. J'aimerais bien qu'un habitant me donne un fruit. J'ai envie de roter. Ok, j'ai roté. Je me trompe de bouton. Genre c'est... Ah mais c'est... En fait c'est super rare parce qu'ils ont mal codé le jeu et ils ont fait bugger au point où en fait l'orange, c'est le quatrième fruit, et dans les codes, en fait, ça va plus loin, enfin, pas plus loin que le troisième fruit. Le quatrième n'est jamais atteignable avec ce qu'ils ont mis, ils se sont trompés. Et du coup, bah, ce qui fait que. Bah, c'est pas bon, quoi. Salut Lila, comment ça va? Oula, ma gorge est. Bon, désolé. Salut Marine, ça va? Est-ce qu'elle va me racketter mon argent? Est-ce qu'elle a une quête pour moi?
du taf. Attends, il y a des années 2001, c'était quelque chose, hein. Le pauvre R crève la dalle. C'est dire quoi, le pauvre R? Ah bah là, c'est clair, ça n'a rien à voir, hein. Du coup, ouais, en fait, si t'as le fruit en l'orange de base, t'es sûr d'avoir tous les fruits. Enfin, t'es sûr, tu peux avoir tous les fruits. Si t'as pas l'orange de base, tu l'auras jamais. Ou presque sûr, jamais. Je ne savais pas. Et du coup, ouais, j'ai la poire, donc j'aurai jamais l'orange. Thierry, c'est Mère Yaourt. Évidemment. Pensez à vous hydrater. Pensez à donner surtout. Regardez, il manque 29 euros pour le prochain loto. 29 euros. Merci Orion, en effet. Je dis pour ça vous hydrater, mais il faut que je m'hydrate également. Tu as raison. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, est-ce qu'elle a des trucs à me donner? Ou à me dire en plus? Je m'ennuie. Un estomac d'autruche. Ok, bon. Bah allez, va remplir la gourde. Hop, hop, hop. On va aller vendre notre inventaire. Et après, je pense qu'on va sauvegarder. Puis on va retourner sur Tomodachi pour voir ce qu'on a sur le temps de midi. Sur Tomo. Ça va être marrant. Je rappelle. Je vous fais dans la partie Tomodachi si vous donnez. Et ça, c'est cool. Ah, je suis full. Heureusement que je suis allée vendre. Je vais avoir pour rien du tout, là. C'est tellement dur de se faire des clochettes dans ce jeu-là, je trouve. C'est abusé. Ah non, c'est le soir, ça, Shaima. La battle de rap, là. C'est genre à 16h, 17h, je crois. Mais on y retombera. On l'aura, on l'aura. Ok. Bah, faut que j'aille sauvegarder. En fait, t'as tout qui est timé dans les horaires. Tout est timé. Tom nous clora de fou. Ah si si, c'est tout à des heures. Et c'est tous les jours les mêmes. Allez, on sauvegarde le petit gyroïde. Sauvegarder. Merde, je voulais sauvegarder. C'est à 19h. Ah my bad. Regardez la petite sauvegarde, c'est mignon. Ouais, de fou, j'ai eu main. Bah après, en général... souvent, c'est parce que tu t'as pas le temps de tout faire, quoi. Béa, elle est trop mignonne. Elle est so cute. Ouais, 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 dis bien Nanouche. Nana O'Shea. On va aller voir si tu veux te faire des potes, Nana O'Shea. Peut-être que tu veux des amis, hein. Qui sait? Qui sait, qui sait? Allez, merci Béa. Hop, et je lance ce Tomodachi. J'ai envie de faire pipi. Je vous mets la pause le temps que ça charge, je vais faire pipi. A tout de suite et pensez...